faire un t-shirt. Je fais un t-shirt miam miam les fruits du cul. J'ai une petite idée de design. Et tu sais que ça va faire spawn G-Wayne d'une manière ou d'une autre. Pourquoi lui? Non, on n'a pas le droit de mettre des visages, tu sais, qui sont dans les les fichiers d'images, tu sais, que tu dois acheter, tu sais, les packs d'images dédiés. Les stocks, si, les stocks, ouais. Mais si, ça sert à ça d'ailleurs, les images stock, c'est pour les utiliser. Après, en gros, les images stock, faut acheter une licence pour pouvoir les utiliser, et c'est un truc genre 30 balles l'image, quoi. Et ouais, voilà, il y a certaines images que tu dois renouveler en plus. Ouais, en plus, ah, il faut renouveler ton achat. Donc, en plus, 30 balles l'image par an pour avoir une photo qui ressemble faussement à G-Way. Moi, je. Surtout pour un t-shirt les fruits du cul, si tu veux. Non, par contre, le t-shirt les fruits du cul, moi, je le veux bien. Le slip, les fruits du cul. Tu sais qu'il y en a en plus des slips. Tu sais qu'il y en a. Est-ce que sur Spreadshirt, on peut foutre des logos sur le derrière, sur le cul, littéralement? Je sais qu'on peut en foutre. En fait, il y a des culottes pour femmes où ouais. On peut mettre des logos devant, mais des calbars où on peut mettre des trucs derrière. Sur les calbars, c'est juste en bas à gauche, en fait, sur la cuisse. Bah, je crois, ouais. Je crois que j'avais vu ça. Ouais. Sinon, ouais, j'aurais mis derrière Bootylicious, tu sais. juicy sur le cul, tu vois. c'est ce qu'on disait, en gros, tu sais, tu prends un calbar la mégaphone, j'ai genre juste là où il y a la trace de frein, tu sais, tu fous le logo. Oh la bouche. Genre, c'était pas suffisamment déplaisant sans la trace de frein. Profitude du truc, quoi, putain. Et tu mets des petits gros lots au niveau des couilles. Mais tu sais qu'il y en a qui l'ont acheté, hein. Tu fais une trace jaune devant, marron derrière. Comme les Bioman. Bioman. Bon, comment ça va les potos? Je te demande pas Adwin parce que toi t'es dans la souffrance intime et entière. Je risque de cracher mes amygdales avant la fin. Adwin, ah, c'est très intime. Adwin, il a la chatte qui gratte. Time. C'est mon morceau pour ça il tousse. Ok. Tu le gargarises avec quoi? De l'huile de vidange. Avec de la vitelle. Oh. Ça, non mais pour prends du lait chaud avec du miel, mais pas du citron, espèce de con là, c'est citrique, ça va te faire mal à la gorge. Mais mets du miel. Bois du vinaigre, il paraît que ça dégraisse. Prends un shot de desktop. Mais c'est ce que j'allais dire, le desktop je le rajoute à quel moment? À la fin pour faire glisser le tout. Putain. Comme avec ta mère. Il commence super celui-là. Je vais couper avant et je vais commencer juste là, je pense. On va commencer tout seul de son côté, chacun. Bon, oui, ça fait. En fait, ça fait que un mois qu'on a fait le dernier. Non, ça fait un an que Whisky est mort. Non, ça fait un mois qu'on a fait le dernier Forgecast. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps qu'on a fait le Forgecast de l'E3, mais non, ça fait un mois et quelques jours, je crois. Si je me trompe pas. Je pensais que la douleur était lointaine, mais en fait, non, pas trop. Un mois et une semaine. Et oui, la douleur est toujours lointaine, mais ça, le problème avec les Forgecasts, ça nous manque, tu vois. Un petit peu comme. Ça manque, et en fait, quand ça disparaît, tu fais franchement, c'était bien, mais bon. Comme le soleil manquait. Ouais, voilà. Quand ça disparaît, on se réunit pendant 3 semaines, on y arrive pas. Quand ça disparaît, on se dit, c'est quand même sympa d'avoir un week-end de temps en temps sans avoir à faire le Forgecast, c'est quand même pas mal. C'est pas les deux. T'as rappelé l'époque, on en faisait tous les samedis? Ça, c'était une bonne idée de merde. Mais non, mais en fait, comme c'était cool vu qu'on faisait les streams en même temps. Donc ouais, on avait... ils sont sur YouTube, hein, les anciens. Ouais, on avait juste à se retrouver, tu vois, et puis partager une bonne bière autour de la camaraderie. Mais on se grattait les couilles à cette époque. On se gondolait. Maintenant qu'on se déteste tous, tu veux, bon, ça passe moins. D'ailleurs, il vient quand l'enculé de Scadur? Mais il vient pas de Scadur. Et c'est une bonne nouvelle. Il savait, les choses. Il attendait que ça. Hein. Il a préparé sa punchline depuis 5h30 cet après-midi. J'ai un post-it, je l'ai mis sur le mur. Attends, la blague numéro 22. Ah, Scadur ne viendra pas. Attends, ça va ta mère, Océane? Ma mère va très très bien et continue à faire des couignamans. En plusieurs mots. C'est pas sexuel, pas des couilles.
des bons cougnamons bien juteux. Bon ouais, ça fait un mois et une semaine que l'E3 s'est passé. Il y a eu pas mal de trucs depuis qui se sont passés aussi. Et en ce moment, ça chie un petit peu du côté. Ouais. ça chie pour beaucoup de trucs en fait. C'est un peu verdun en ce moment le journalisme. ouais, journalisme vidéoludique. Ouais, mais avant ça, quand même, on va faire un petit tour de. Eh ben, pas de table. Un petit on tour. De table. Un petit tour de voisinage. Attends. À l'échelle cosmique, on est voisins. Donc un petit tour de voisinage. Putain, ça, alors c'est marrant, j'ai cru t'entendre, mais ça doit pas être tout. En fait, bah, tiens, il a emménagé à l'appartement d'à côté. Oh merde, c'est ça les odeurs. Tout à l'heure, je suis monté et comme il a plu et il y a eu de l'orage aujourd'hui sur Nantes, mon immeuble commence à sentir la pisse et les anchois. Oh là là. Et, tu crois que c'est une bonne nouvelle? Tu l'as enlevé ce que j'avais mis dans ta boîte aux lettres? Vous faites chier avec tout ça. Non, il y a toujours des putains de pièces de 5. Mais quel mois? Mais tu sais que ça fait combien de temps que tu me les as filé maintenant ces pièces dans ma boîte aux lettres là? Je sais pas, mais à chaque fois que je passe, je remets. La dernière fois, j'ai mis un poisson rouge. Mais j'ai tellement la flemme de les sortir ces putains de pièces de ma boîte aux lettres que je les balance juste par terre en fait. Et puis comme il y a un clodo qui dort là, bah ça lui fait de la. À chaque fois que je repasse, je prends les pièces par terre et je les remets. C'est toi le clodo qui dort dans mon lobby? C'est là où il a un génie, tu vois. Non, je suis le clodo qui regarde ta fenêtre toute la journée. Ah putain, pas lui. Je me suis dit, j'ai marché sur la jambe, il m'a dit merci. Par contre, c'est marrant parce que le clodo, tu vois, qui se fout en face de ma fenêtre. Je sais pas si je vous l'ai dit à tous, mais il y a un clodo des fois qui se met sur l'immeuble devant. Enfin, sur le bâtiment devant moi, devant chez moi. Et moi, je suis au premier étage, et enfin, deuxième étage, pardon. Et du coup, il a la vue directement dans ma fenêtre. Et je suis obligé de fermer le volet. Toute la journée. Parce que sinon, c'est assez gênant. Et genre, des fois où je fais de la muscu et tout, comme je fais ça devant la télé, bah, je suis devant la fenêtre. Et du coup, il est pile en face de moi. Donc, je suis obligé de fermer le truc. Mais ce clodo a un superbe t-shirt de France avec les deux étoiles. Alors, c'est un clodo moyen, mais il a quand même acheté un t-shirt à 120 balles, quoi. Il est pas encore sorti le truc. Si, il est sorti déjà. Non. Il est sorti le non, jour. Non, il est arrivé pas mi-août, un truc comme ça. Non, mais il est sorti. Il est sorti. Je crois que c'est 12 heures avant le match. Je crois que Jay-Z l'avait dans son concert avec Beyoncé. Ouais. Je suis désolé d'avoir un petit peu de culture. Comment ça va, People Magazine? Et je lis pas Voici, moi. Ah, tu lis pas ma queue. Bon, c'est qui parle en premier? C'est Spider qui va parler, vu qu'il a bien envie d'ouvrir sa gueule, là. Donc, il va nous expliquer dernièrement ce à quoi il a joué et ce qu'il a vu d'intéressant. Et tu as deux minutes. On va tous l'écouter de façon moniale. Vas-y. Ok, bon, tu viens aussi dans la journée de bien. Allez, c'est parti. Il y a pas longtemps, du coup, on s'est remis avec WAP sur Planet Side 2. On a fait juste une petite session. J'y avais jamais joué avant parce que mon PC faisait tourner le jeu à peu près 5 FPS et 5000 de latence. Mais du coup, c'est 5 FPS de plus que la PS Vita. Hein. T'as pas le droit de taper sur un handicapé, tu vas te mourir sans appuyer la route. Laisse-la où elle est. On n'avait jamais laté la PS Vita, hein. Ça me manque non, un peu. Bah, mais normal, personne n'a acheté. Oui, c'est ça, en fait, personne l'a acheté, donc oui. Puis après, bah, du coup, j'ai acheté Soma. Quel bâtard. J'ai joué à Soma, du coup, et parce qu'en fait, j'avais rematé les vidéos du coup sur la Megaforge. Les anciennes vidéos du coup de Soma. Ah. Je pensais flipper ma mère parce que quand je vous voyais, ça me foutait le trac d'y jouer. Et en fait, quand j'y ai joué, bah, c'était une ambiance plutôt chill. J'arrivais pas, en fait, à me mettre dans l'horreur. Pour moi, c'était, ouais, c'est sous l'océan, c'est tranquille, c'est pépère, quoi. Attends, Soma, c'est pas le jeu avec les gros barbus, là. Oh là. Non, Soma, non, c'est pas le même. De quoi tu parles? Je crois qu'il doit parler du jeu que Skad a fait, Non, est-ce que tu parles de Sons of Anarchy, là? Pas du tout. De SOA, du coup tu as prononcé SOA. Non, rajoute un N après le O, mais... Sona? Sons on Anarchy, non, j'en sais rien. Je comprends plus rien. Oh, mais je crois qu'il a voulu faire une vanne. C'est pas encore sûr. Mais une petite astérisque à votre du coup, t'as essayé de sortir mon post-it. T'as essayé le mode sans ennemi ou quoi dans Soma? Non, j'ai pas encore. En fait, c'est que je me suis dit que je voulais quand même garder un petit côté flippant, et c'est surtout les jumpscares. Vers à peu près 2 heures de jeu, il y a une sorte de. Tu sais, de petit robot qui est sous l'eau, en fait, qui tape à la fenêtre quand toi t'es à l'intérieur. Ouais. Ça m'a fait sursauter, mais en fait, les autres ennemis, je les trouve un peu mous du cul.
Ah ouais, putain, parce que quand c'est on pas avait juste joué des gros avec... poissons tout en non, quand on avait joué avec Warren, ouais, en fait, c'est des mi-robots, mi-hommes, mi-infectés par Libby Gorno. Et ça, c'est effrayant. Ça. Le moment là où il faut, je crois, redémarrer un serveur. Ouais. C'est dans les dernières vidéos qu'on avait faites avec Warren. Il y a un moment où il faut redémarrer un serveur, mais il y a un ennemi qui est dans le coin et tu peux pas le buter forcément. Et bah, tu lances le terminal, tu fais restart et c'est bon quoi. C'est exactement ça qu'il faut faire en fait. Mais en gros, c'est ce passage-là, on était vraiment super tendu. Alors je sais pas si c'était parce qu'on était en plein hiver et qu'on n'avait pas la lumière, on avait éteint toute la lumière, on était à deux, on flippait de ouf. Mais en tout cas, ce passage-là, il nous avait foutu le traxir quelque chose de comique. Bon, dans les années 60. En même temps, c'est pas évident, si t'as regardé les vidéos, t'as pas mal démystifié le truc quoi. Ouais, c'est sûrement ça aussi, ouais. qui m'a gagné. Mais c'est après je me suis dit en fait j'ai carrément plus flippé sur Alien Isolation parce que je savais que la menace était absolument constante. Ouais. Alors que là en fait dès qu'il y a un ennemi dans le coin, t'as ton écran qui part en mode blue screen à peu près un peu partout sur les côtés de l'écran et du coup je trouvais que ça niquait un peu le comme dans Amnesia. Ouais, voilà, en fait, ça te nique un peu le truc, tu dis, bon, bah, ça arrive, bah. C'est un Amnesia like, hein, même si j'ai l'impression. C'est les développeurs d'Amnesia, en fait. Ouais, mais enfin, je veux dire, le souci, enfin, je dirais pas que c'est un souci, mais l'aspect du gameplay qui disparaît d'Amnesia, c'est quand même que dans Amnesia, justement, je trouve qu'il y a plus de puzzles et d'exploration. Quant à Soma, c'est tu te balades en ouvrant des portes. Je trouve qu'il y a c'est beaucoup carrément. Plus linéaire quand même. Mais je suis d'accord avec toi. Alien Isolation, il est bien plus flippant. Même quand on l'avait fait, on était combien de connards dans mon appart à Dwim là, à jouer à Alien Isolation. On était bourrés et tout, et il me faisait quand même plus flipper que Soma quoi. Mais ouais, je suis d'accord. Du coup, il était cool. Et ensuite, on a joué à peu près tous ensemble, à part Adwim, parce que Adwim, il joue à Jurassic Park. On a joué à Rainbow Six Siege. Évolution, monsieur. Tout à fait. On s'est remis du coup à Rainbow Six Siege, et c'est grave cool en fait d'y revenir. Mais je commence un peu à voir le. C'est comme Scan en fait, comme lui là. C'est-à-dire que le jeu il est super bien, mais c'est à petite dose en fait. Faut s'y remettre à petite dose. À petite sinon, dose. Ça devient... je sais pas. J'avoue que on s'est fait des grosses après-midi dessus. Mm-hmm. Et la première fois que j'ai quitté le jeu quasiment définitivement avant maintenant, c'était parce que on y jouait que soit moi tout seul, soit avec Scad, et que du coup le teamplay il est absolument absent. Mais là d'y avoir joué avec tous les potos, c'est vrai que franchement je m'éclate énormément sur le jeu et je trouve qu'il est vraiment super. On y reviendra de toute façon tout à l'heure vu qu'il y a des grosses news quand même concernant la news Rainbow Six Siege, je l'ai mis juste devant gros sujet de points sur mon bloc-notes. Donc on en reparlera de toute façon. Et de ce que j'ai vu, j'ai pas vu de gros trucs. Enfin, j'ai plutôt revu genre Fringe, la série de J.J. Abrams, qui était sortie en 2008 et qui s'est arrêtée en 2013. Et c'est ce que j'arrêtais pas. Je dis à peu près à tout le monde de me faire essayer. Ouais, que t'arrêtes pas d'essayer de nous faire mater. Mec, mais et maintenant j'ai foutu en sonnerie le générique. Oh, mais c'est littéralement en fait ça m'avait manqué parce que j'avais fini la dernière saison de X-Files du coup qui est sortie il y a pas longtemps. Mm-hmm. Et en fait je me suis dit putain j'aimerais bien un truc dans le même genre, et en fait je me suis rappelé que ça existait, et putain en fait qu'est-ce que c'est cool, c'est même en fait plus réaliste que X-Files dans le sens des recherches etc. Ouais. Vraiment en fait t'as l'impression que c'est une enquête policière en fait, chaque épisode c'est une enquête policière à part, avec un monstre de la semaine en fait, si on peut. Oh c'est cool ça. Ah, j'aime bien le principe. C'est comme un burger mais lui il va te bouffer. Le problème tu vois c'est que si jamais je me mets à regarder un truc comme ça, je pense que je vais avoir envie de retourner sur The Secret World et franchement c'est pas une mauvaise idée. Et qu'on va très rapidement remettre un deuxième site du bureau 713 avec des ARG qui font peur. Dis-toi, c'est un peu ça en fait. C'est genre par exemple, bon, je te spoil le premier épisode en fait. Ah merci connard, j'ai envie de regarder. Ouais, moi aussi, espèce d'enculé, tu vas fermer ta gueule. En gros, oui, bah c'est plutôt genre du terrorisme plutôt que des trucs vraiment surnaturels en fait. C'est ouais, ça reste des monstres, tu sais. Oui, voilà, ça reste des monstres. C'est cool ça. Ça s'appelle comment tu m'as dit? Fringe. Juste Fringe.
Ouais. J'ai peut-être maté du coup. J'ai peut-être maté. Et du coup, j'ai maté ça. Et il y a pas longtemps, en fait, je me suis dit, j'allais me refaire tous les Pixar. Parce que je sais pas, j'ai vu une vidéo d'un mec, ça m'a. Olé. Ça m'a foutu il est très influençable, Spider. Tu regardes un truc, c'est parti. Assieds-toi sur mon visage. J'arrive. Écarte les cuisses et pose pas de questions. Non, et du coup, il y en a que j'avais pas vu, genre là-haut, que j'ai maté ce matin, et qui m'a fait extrêmement bader au lever. C'était. T'arrives, tu sais, tu crèves, t'es ouf aussi. J'ai passé une bonne journée, t'arrives, tu fais. Ah, donc ça se passe comme ça. Mais ça va parce que. C'est donc ça, la tristesse. L'intro du film est quand même la partie la plus chiante du film, le reste ça va, mais il faut quand même l'encaisser, l'intro. Mine de rien, il faut quand même en sortir sans séquelles. Mais surtout, ça démarre bien, t'es content, tu fais. Ouais, oh, ça va, il a l'air joyeux, et après ça fait. Dans ta gueule, la réalité. Je la redoute, hein, franchement, je redoute vraiment de remater ce passage encore. Il y a pas beaucoup de scènes comme ça que je redoute. Justement, on en parlait la dernière fois avec Edwin, du soldat Ryan. Ah, la dernière fois c'était hier, juste pour situer un petit peu. Oui, bah écoute, c'est quand même la dernière fois, je t'emmerde. Et on parlait justement que le film était quand même très dur, très difficile à regarder, et qu'il y avait une scène, je sais pas si vous, les deux petits jeunes, vous vous en souvenez, à un moment, ils sont devant une grosse antenne qui est pétée, il y a une MG42, et puis ils essaient justement de niquer la mitrailleuse, mais il y a le médecin du groupe qui se prend une balle dans le buffet, et du coup ils essaient de le soigner, mais la blessure elle saigne, et il est en train de chialer, il appelle sa mère, et tout laisse tomber. Surtout qu'il y a un gros plan sur lui allongé, en fait ils arrachent la chemise et on voit simplement un trou, un joli trou rouge qui saigne à goulot, vraiment ça sort, il y a pas de gicle ni rien, juste que ça coule et ils sont juste là avec leurs mains en train d'essayer d'enlever le sang pour mettre une compresse, mais la scène elle est ignoble quoi. Elle est horrible. Ça me parle, ça me dit un truc. J'étais tellement, quand je l'ai vu, quand j'étais gosse, ça m'avait pas plus marqué que ça en fait. Moi non même plus, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la scène, mais je l'ai regardé récemment. Alors je sais pas si avec l'âge, en devenant plus con et plus vieux peut-être, tu acquiers de l'empathie, mais là, j'ai pas pu la regarder la scène. Franchement, même quand j'étais petit, parce que je l'ai vu, il me semble l'avoir vu au cinéma, le film quand il est sorti, donc je devais avoir 10 ans environ. Horreur, quoi. Et je me souviens qu'elle m'avait déjà relativement niqué, ensuite on l'avait en 4-7 et on l'avait en DVD et puis en DivX, en gros j'ai dû le mater une centaine de fois le film, et j'ai toujours eu énormément de mal avec cette scène et elle est toujours gravée dans ma tête, celle-là et le mec qui est sur la plage avec son ventre, qui est en fait le contenu de son ventre et à côté de lui. Toutes les scènes du débarquement, quand tu vois un mec, il parle, il se prend une balle et il s'écroule. Ou les mecs qui se noient avec leurs trucs. Je crois qu'en fait, c'est... Alors attention, ça va paraître connard. Ah oula, ça va gueuler. En gros, vu que vous êtes plus vieux que nous, genre vous êtes peut-être plus impacté par ça. Et je crois que pour la génération suivante, le film qui a impacté, c'était Fury, un peu dans le sens violence de la guerre. C'est drôle parce que c'est justement le parallèle qu'on faisait après avoir vu un trailer de je sais plus quel dans un film. Le prochain film de J.J. Abrams. Oui, justement après avoir vu le trailer, en fait, on a parlé du soldat Ryan parce qu'on voyait vraiment que c'était deux manières de présenter la guerre vraiment différentes. D'un côté, t'as le film d'Abrams là qui est vachement cinématographique, qui essaie de montrer des belles scènes et qui en fait qui sublime la guerre, tandis de l'autre côté t'as le soldat Brian qui est extrêmement cru et qui a même un filtre un peu dégueu sur l'image, constamment c'est gris, super froid, et les seuls beaux plans du soldat Ryan, qui sont des plans magnifiques, c'est des plans de la campagne, le plan des villes et des choses comme ça, mais dès que ça commence à péter et qu'il y a de la baston, ça devient très très dégueulasse, très très sale. Y a aucune musique, c'est uniquement des cris et des balles. Quand ils sont en train de se battre, il y a jamais le mec qui arrive avec sa mitrailleuse, il y a une musique héroïque. Tu te rappelles la scène du couteau tout à la fin, quand l'Allemand plante le couteau. Attends, t'as le nazi qui enfonce son couteau dans le torse du mec et qui tout lentement. Oh là là. C'était comme la scène avec celui qui joue en Fast and Furious, Vin Diesel. Oui, parce que les gens oublient qu'il y a Vin Diesel dans ce putain de film. Juste ça, en fait, c'est le mec se croit héroïque et tout, il fonce, il se fait calage sa race. Oui, c'est un balle. Comment il dit ça, moi ? Il se fait calage sa race. Calage aujourd'hui. Calage à la Kadhafi. Hein. C'est le sniper qui est dans la tour, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais, dans l'église. Il se prend une balle, il tombe. Le mec, il dit t'inquiète pas, donne-moi pas ta lettre, tu vas la ramener tout seul, fais pas chier. Et il meurt quand même. tout seul pendant que les autres se battent, tu vois, lui, il crève tout seul parce qu'il a plus de sang, voilà, c'est tout. Et tout ça pour attirer ses collègues en plus. Oui, en plus, c'est juste ça, ouais. Ils le savent, ils sont pas trop cons.
Ah ouais, non, c'est, c'est quand même un superbe film. Et oui, du coup, on en parlait parce qu'on avait vu. De scènes badantes, t'as aussi tout le début, les toutes premières scènes, en fait, tu vois le personnage principal qui se rend dans un cimetière et qui s'effondre devant les tombes de ses anciens c'est ignoble. Ouais, carrément. Mais tu vois, pour Fury, il y a eu aucune scène de Fury qui m'ont choqué, que j'ai vraiment ressenti de l'empathie. Il y en a juste une qui m'a un petit peu fuck me up, fam. C'est quand ils sont à la colonne de char et qu'il y a un gamin nazi qui tire dans un char et qu'il y en a un qui le char commence à cramer de l'intérieur, il y a un mec qui sort et qui se tire une balle parce qu'il est en feu. Bon, c'est très panaché. Il y a beaucoup de lumière, c'est très joli, le mec qui crie, se tire une balle, c'est assez dégueu, mais en fait le film, je le trouve brutal, très gratuitement Fury, c'est pour ça que ça m'a pas autant et puis il y a des héros, contrairement au soldat Ryan, il y a clairement des héros dans ce film. Alors, je sais pas, quand même, dans le soldat Ryan, celui qui joue Mills, je crois que c'est ça le nom du capitaine, c'est Mills. À la fin, tu sais, quand il est avec son gun et qu'il tire sur le tank. Oui, mais parce que. Mais c'est quand même un héros, si tu veux. Il vient de se prendre un truc à la gueule, je sais plus pourquoi il peut plus se lever, mais il est. Il s'est pris une balle, quoi. Je crois. Mais il s'appelle comment le personnage principal de Fury? Brad Pitt. Voilà, ce mec que vous connaissez sûrement pas à côté de Will Smith, il est un peu glorifié, tu sais, il a des grosses couilles, c'est clairement montré à l'écran, quoi. Mais du coup, il se prend 4 grenades à main enfermées dans un tank et après. T'as beaucoup plus de mal, mais à m'attacher à ça et je prends beaucoup plus de recul, je me dis, ok, c'est des mecs qui tirent au pistolet laser avec leur tank, voilà. Ah, c'était classe, ça aussi. C'était classe, par contre. Ça m'en fout plein la gueule, là, les balles traçantes, j'ai carrément kiffé. Mais c'est un bon film, Fury, mais moins impactant, je trouve. Quand je parlais au niveau d'impact, c'était, tu sais, quand ils sont dans la ville allemande, je crois. Dans Fury? Ouais. Et tu sais qui rencontre justement les deux Allemandes là et qui leur demande de faire un bouffer etc et que ça commence à partir en couille dans le truc. Tu vois là par contre j'étais tendu, c'était genre est-ce que ça va péter d'un coup à l'autre. Ça pensait à une scène à la Tarantino quoi. C'était calme. Il y avait une tension qui commençait à émerger. Tu dis qu'est-ce qui va se passer? Il y a un mec qui recule quelqu'un. Et parce qu'il nique c'est ça et puis ensuite il y a The Punisher et Samuel Witwicky qui vient manger des œufs. Plat. Et là t'as Captain America. Non, c'est Monsieur Smith du film événement. Oh, c'est tellement compliqué. Et je l'ai beaucoup trop vu, Mr. and Mrs. Smith aussi, en fait. Je suis obligé de faire un clin d'œil. Je l'ai jamais vu. Et franchement, franchement, est-ce que tu te souviens des films Tomb Raider avec Angelina Jolie? C'est des navets, on est d'accord. Là, c'est pareil. So, imagine qu'on a pris Tomb Raider, qu'on a mis ça et qu'on a béné ça dans une grosse poubelle où il y avait tous les films Tom Cruise. Tu secoues comme ça. Tu sors et je pense que t'auras mis sur la Mila Jovovich qui sort. Okay, oh la okay. Pauvre. Je te demande maintenant sur une échelle de Wanted, ça vaut combien? Sur une échelle de Wanted à quoi par contre? Sur une échelle de Parce Wanted. Parce que Wanted est tout en bas, on est d'accord. Un bon film d'action. C'est un film d'action. Disons sur une échelle de Wanted à Inglourious Basterds. Ouais. Je le mettrais à Wanted. Honnêtement. Non, franchement, il est pas si horrible que ça. C'est juste un vieux blockbuster tout pété. Comment on est passé de là-haut au soldat Ryan déjà? Je sais pas. Ouais. la tristesse, probablement. Ouais, et il y a Brad Pitt aussi qui s'est baladé dans le milieu. T'as fini du coup avec ta. C'est bon, moi j'ai fini. Ok. Eh ben écoute, Yadar, vas-y, on garde le meilleur pour la fin. Eh ben, allez. Alors, c'est moi le meilleur. Albatar. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai commencé la nouvelle saison de Fortnite déjà. Ok, donc tu commences directement dans les hostilités. Je cherche complètement la merde en fait. Ok, je vois l'ambiance. Qui la map a été changée encore du coup et franchement c'est super agréable. Ça joue à Fortnite, ça joue à FIFA. Tout le monde s'en branle là. Attends, je suis pas venu. Qui s'en branle? Moi. J'ai aussi joué. Je fais un petit peu de CS avec le nouveau Panorama. Qu'ils ont refait. Et Panorama ah oui, le menu principal. Le nouvel UI, ouais. Ouais, apparemment c'est cool. J'ai testé aussi la bêta de Steam qu'ils font avec ça.
et c'est carrément, c'est très 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 soft et épuré. Ouais, et c'est super joli à. J'ai téléchargé aussi la bêta de Steam il y a un moment de ça, et c'est marrant parce que c'est le contraire. Steam a lancé son nouveau système de chat dans lequel tu peux rajouter les gens que tu veux, et ça fait des serveurs à la Discord en fait. Steam. Donc tu peux faire des serveurs Discord comme tu veux sur Steam en glissant juste tes contacts dans une autre fenêtre de contact. C'est cool, ça. Et ça fait des petits serveurs qui restent, qui sont persistants. Et en voyant ça, Discord a un petit peu commencé à flipper. Et c'est pour ça qu'ils ont rajouté le tab jeu dans Discord avec D'accord. lequel tu peux voir des news, etc. Bon, c'est un gadget, hein. Mais j'ai trouvé ça relativement marrant. Et c'est vrai que ouais, la bêta de Steam est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ah, mais c'est vraiment super beau. Déjà, ça donne un putain de coup de neuf, je trouve. Ouais, ouais. Genre, tu fais. Il avait besoin putain, un peu. C'est beau. Vas-y, mais j'ai envie d'y aller maintenant. Et, parce qu'avant, non. Espèce de matérialiste, va. Non, mais quand. Et alors Mais quand t'as l'habitude du vieux, le neuf, ça fait franchement du bien. Merci, Sven. Merci, Yador. C'est beau ce que j'ai dit. j'ai noté. Après, j'ai joué à Unforgiving Another Hymn en stream. Mais bon, ouais. C'est il y a quelques semaines, donc je le dis. Et je me suis chié dessus, c'était bien. C'est bien, Yadar. Je me suis chié dessus, c'était j'aime, bien. J'aime beaucoup quand Yadar parle. Fort Boyard. Je me suis mis dans le cul et j'ai aimé ça. C'est le genre de catégorie, ça, non? C'est un jeu de. Hey, Yadar, tu peux prendre combien de centimètres avant de pleurer? Oh. Et ben on y vient du coup. Parce que j'ai aussi fait l'aventure de FIFA. C'est ce que je me disais, il fallait que t'en parles quand même un jour. Le mec qui joue à Fortnite, qui joue à FIFA, il écoute Fun Radio, ça y est, t'es perdu toi. Eh oh. t'es possédé. Je savais pas que Jackie était revenu. En ce moment, je suis un peu possédé, mais vu que t'es possédé par l'âme de Mbappé. Je vais me déposséder d'un coup, tu vas voir. Il court vite. T'es possédé. Ah putain, Mbappé, c'est Kirikou en fait. Oh là là. Quoi? C'est vrai. Que, vu qu'on a gagné la Coupe du Monde, champion du monde, deux étoiles, on vous encule. La France baisse, ouais. Ils sont cons. Et mis à part ça, j'ai pas joué à grand chose en fait, parce que j'attends d'être rentré chez moi pour jouer à des jeux solo. Là, j'essaie de jouer avec mes potes au maximum. C'est vrai que replay entre potes, c'est pas super. Ok. FIFA, Fortnite et CS, je note. Bah, il y a une de succès. Alors, regarde, tu es viré, je pense. Nice. Est-ce que t'as vu des trucs sympathiques? J'ai vu pas mal de trucs sympathiques. Déjà, je me suis fait un petit blockbuster qui est sorti il y a pas très longtemps, The Hurricane Heist. Et vu qu'il faisait 35 degrés dehors, je me suis dit c'était le parfait moment pour le regarder. Et en gros, c'est il y a des ouragans de ouf, il y a des braquages. Et c'est pas mal. Oui, j'ai bien aimé le principe. Ouais, c'est les gens. Je suis désolé, il y a une fusée qui passe. Ah. Je me garer plus loin. Ouais. Mais t'as le véhicule de Gru dans Moi Moche et Méchant. C'est non, il est mignon aussi. Et ouais, j'ai bien aimé les prémices de The Hurricane Heist, parce que c'est des mecs qui font un braquage mais qui attendent un putain d'ouragan justement pour faire leur braquage. Qui servent de l'ouragan, ouais. Ouais. Et avec ça, ça fait un film qui. Ça se regarde quoi, c'est pas dégueu, ça se regarde. J'en ai même pas entendu parler. On avait eu le trailer au ciné et c'était justement sur la BO de Rock You Like a Hurricane. Ah ok, ça, c'est ouais. Trop problème. Ouais, ouais ouais, d'accord. Mais vu qu'il faisait chaud, ouais, ça, franchement ça m'a fait un coup de bien, tu vois. T'es là, il pleut en permanence dans le film, tu fais de la fraîcheur. Toi aussi t'es influençable, hein. Je suis sûr, si ouais, on fait, ça fait du bien. T'as froid et tu vas crever d'hypothermie. Il a déjà son plaid sur les genoux. Tu sais qu'il était pas loin. Hein. Il s'emplète sur les genoux, mais avec la température, il est à poil dessous, c'est tout. Ça avait complètement. Oh, j'ai monté le chapiteau. Oh putain, j'allais la faire. Eh, les gars, vos fanfics, on veut pas les entendre en live. Non, si. Non. Sinon, on va raconter celle avec Rossian. Non. Oh, non. Non. Ouais, voilà. Non, Rossian. Non. Après, je me suis maté une petite série US Unsolved qui parle de la mort de Tupac et de Biggie. Ils sont morts. La sauce Biggie, ouais. Non, je vais l'applaudir, celle-là. C'est la première fois qu'on fait une vanne sur la sauce Biggie, je veux qu'on la garde prête. Ah putain, et c'est très très cool. Et ça donne envie d'élucider. C'est trop bien parce que
qu'il faisait chaud. De voir des meurtres, ça. Ça rafraîchit. J'ai envie de faire du rap US et de se faire drive-by, quoi. Voilà, ça donne envie de très beaucoup. J'ai envie de se renommer XXXTentacion. Oh, t'as pas le droit de celle-là. 69. D'accord. Après, je me suis maté un bon lot d'animés. Parce que je suis un gros putain de weeb. Ah, tu vois qu'il faut faire des chaînes. Faut l'isoler, celle-là, faut l'isoler, celle-là. On va la garder, on va la garder. Ça va être un très bon réveil matin. Ouais. C'est réveil matin. Oui, réveil matin. Je vis en 1982, messieurs, dames. Dring, dring, j'ai envie de te dire. Okay. Celle-ci aussi, faut la sangler. Mais c'est bien. Ah ouais, non, celle-là, on va l'isoler comme ça, tout le matin, ça fera dring, dring, j'ai envie de te dire. Dring, dring, j'ai envie de te dire. Oh, y'a Dark qui tape sa bite contre le bureau. Dring, dring, j'ai envie de te dire. Mais respire, Eda, respire. Trop tard. Il est parti en mode MP3, là, c'est bon. Fais-lui une Heimlich. C'est bon, t'as fini? Donc, je me suis maté Steins Gate. Donc dedans il y a du voyage dans le temps, il y a de la du changement du destin. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? je crois qu'il faut que tu expliques là pour les plus jeunes qui nous écoutent. Non, jamais, j'expliquerai pas l'école des fans parce que je respecte Jack Martin et qui me manque. Qui est mort. Et il est mort. Il ne te respecte probablement pas, mais bon. Il est mort avant qu'on soit né, poteau. Oh putain. Donc avec ça, je me suis maté Les Enfants de la Baleine aussi. Les Enfants de la Baleine. Ok. On joue un FIFA à côté. En regardant un live de Gad Elmaleh. En regardant un live de Kev Adams. Oh non. Et un tweet de Fortnite. Oh là là. Tuez-moi avant que ça arrive. T'inquiète, on s'occupe de toi. T'inquiète pas. Oh, je me suis aussi maté un petit... Tu n'as que des petits en fait. Mais tu t'es pas maté un gros. Une histoire, un petit drame à l'autrose, tu vois. Qui s'appelle You're Lying in April. Et tu vas buter. Avec les voyelles, ça fait quoi? Votre mensonge en avril. D'accord, voilà. Et en fait, c'est du drame à l'eau de rose couplé avec beaucoup de musique classique. Pourquoi tu regardes ça? Mais parce que j'avais envie de sortir ma zone de confort. J'ai vu ça, j'ai fait allez, c'est parti. Et c'était très triste. Et très bien. Tu suces des nœuds? Tu serais pas pour peur de passe. Petite référence. Et pour finir, je me suis maté Erased. C'est mon second petit animé préféré. Et après, j'ai regardé Platoon. Erased, le principe est sympa. Je l'ai essayé. Le principe est très très bien, je trouve. Le mec, il peut revenir dans le temps et pareil, il doit changer la destinée. Et je trouve ça très très cool. Est-ce que c'est un petit peu comme Next avec Nicolas Cage? Non. J'ai pas vu. Les gars, là, c'est quoi votre culture cinématographique? Vous avez pas vu l'histoire? Tu sais ce que j'ai vu la semaine dernière, moi, le Roi Scorpion, et c'était vraiment décevant. Ok. Un peu de respect. Qui a vu Next ici? Moi, pas moi. Voilà. C'est tout ce que je voulais entendre. Voilà. Ghost Rider. La qualité. Quand il pique, du feu. Oh ta gueule. Des images dans la tête qui font mal. Et oui, ça c'était un super film. Bon, à moi. Allez, à moi. Mais je pense. Oui, comme les autres connards, j'ai joué à Rainbow Six Siege, donc on en parlera de toute façon tout à l'heure parce qu'il y a des news dedans. Oui, mais toi t'es pas un connard, t'es pire. Oh. Si avec toi, par contre, on a joué un tout petit peu à The Crew 2 pour une vidéo. On a même pas parlé. On s'est contenté de se rentrer dans le cul avec nos buggy. Oui, c'était super. J'étais rentré dans le cul avec un avion aussi. Mais j'ai joué aussi un peu avec Whiskey. Tu l'as vu, mon Titanic? On s'est fait un petit Miami Las Vegas avec Whiskey Escade. Ça prend combien de temps? C'était fort sympathique. Je crois que ça nous a pris une petite demi-heure. C'est tout? Il me semble. Mais c'est au milieu de la map, hein. Vegas, c'est pas sur les extrémités. Hein. Mais sinon c'était cool. Mais en plus, on a tracé parce qu'on a des bonnes bagnoles maintenant. Mais The Crew 2, il est vraiment sympathique. Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu d'âme. On dirait juste un racer. Tout simplement.
Oui, il a pas beaucoup de goût à lui. D'arrière-goût même, je dirais. En fait, t'es un petit peu attiré par le jeu au début parce qu'il te montre des déformations de paysages que je pensais qui allaient être dans le jeu et que tu ne verras plus jamais et qu'on voit en fait dans la toute première course et c'est tout. Tu sais, avec la map qui se plie, on dirait Inception là. C'était incroyable quand tu la vois pour la première fois. C'est un truc de ouf. Mais ça ne recommence jamais tout au long du jeu et j'ai été pas mal déçu par ça. Donc sur ma déception, je suis retourné sur Monster Hunter World que j'ai lancé. Je me suis, il y a des lettres qui sont en commun dans les deux. Ah c'est tout, t'as fini sur The Crew. Ouais, j'ai fini sur The Crew, mais si tu veux, t'en parleras. T'as trouvé des montagnes. T'en parleras plus. Et j'ai pas cherché. J'ai envie que tu les trouves toi et que tu me laisses la surprise. Mm-hmm. En même temps, il y a que visiblement, d'après The Crew 2, dans tous les États-Unis, il n'y a qu'une seule montagne. Bah oui, les Rockies, quoi, c'est tout. Mais je sais pas, je suis pas allé personnellement, mais je pense que c'est un peu surjoué de ce côté-là. Ouais, c'est des Canadiens. Hein. Ils y vont jamais. Ça se trouve, ils y connaissent rien aux États-Unis. Ça se trouve, il n'y a pas de montagne aux États-Unis, c'est tout plat. Ça se trouve, c'est tout plat. Ça se trouve, c'est la map flat grass de Garry's Mod. Oh putain. Oh, les nombres d'heures que j'ai passé ici à insulter des gens en russe. Ouais, à faire des baignoires qui volent. Oh là là, putain! C'était l'époque où les gens ils faisaient pas encore de RP là-dessus. Bienvenue sur podcast Nostalgie. fais très gaffe toi. Ouais, je vois qu'on va faire un petit Half-Life. Je vais te faire drive-by, hein, Spider. Un petit Half-Life Deathmatch. Donc ouais, j'ai relancé Monster Hunter World, et bah écoute, je suis en train de kiffer, tout simplement. C'est le seul problème, c'est que tu peux pas lancer une partie sans faire 7 heures d'affilée. Mais c'est pas un problème, ça. Toujours super agréable, je trouve qu'il manque juste un petit peu de contenu pour l'instant. Le jeu, comme il sort le 9 août, peut-être qu'on peut espérer qu'ils rajouteront quelques trucs au moins sur la version PS4 et les versions existantes. Mais c'est super sympathique. Sur l'annonce de la sortie de Resident Evil 2 qui va aussi sortir sur PC, j'ai décidé de me relancer Resident Evil 2 sur GameCube parce que la version PS1 pète un peu un plomb. Mais Resident Evil 2 sur GameCube sur émulateur, j'ai aussi fait Resident Evil 4 et un peu Resident Evil 2, 7. Tu l'as même pas dit. Mais je le connais bien moi Resident Evil 2. Tu réponds pas à ma question monsieur. J'ai sur PS1. Quoi, tu te sens trahi, c'est ça? Ouais, un petit peu. Et je t'ai dit déjà, je vais streamer Resident Evil 1, il va falloir que tu sois là pour m'assister parce que j'ai peur d'avoir la main con. Non, tu m'as trahi. D'accord, et bah écoute, je vais foutre. Non, mais oui, donc, c'est cool. Donc j'ai fait 2-4-7 et c'est vraiment des super jeux. Je suis... Ah, tu l'as fait le set au final? Je suis en train de le faire. J'avoue que je me chie vraiment dessus. J'ai un petit peu peur que ce soit pareil sur Resident Evil 2 PC vu qu'ils ont changé énormément de choses et que maintenant le jeu est un TPS et qu'il soit vachement plus ambiance horreur moderne que horreur 1994, non 16 1996 Resident Evil 2 non par là. Ouais, par là, bref. Ensuite, et en fait avant ça, j'ai fini Yakuza 0 et je m'étais mis à Kiwami. Donc je m'étendrai pas là-dessus, c'est certainement un des meilleurs jeux qui sont sortis sur PS4. Cassez-vous avec votre avion là. Excusez-moi. Ouais, c'était cool. J'ai joué aussi, je passe vite fait, hein. J'ai joué aussi à Wreckfest, le racer là, un jeu de course très très violent avec de la déformation de véhicules et tout. Ça, c'est stylé ça. Ça pète dans tous les sens et en fait, il y avait un gros manque à remplir quand Flatout est parti. Qui nous a quitté tragiquement, qui a disparu suite de merde, ouais. Après Flatout 2. Et bah Wreckfest en fait m'a redonné un petit peu cet aspect là donc on n'a pas les mecs qui passent à travers le pare-brise et les mini-jeux parce que ça c'était vraiment de la bombe, mais il y a quand même des grosses courses survitaminées avec des mecs qui se défoncent dans tous les sens. Et c'est marrant parce que quand tu mets les options de dégâts réalistes, c'est à dire que si un mec te coince contre un poteau, tu meurs, la course elle est finie, tu réapparais pas. Putain, le bug. Et je trouve ça gigantesque quoi. Mec, il y a des courses spéciales, donc déjà il y a des Demolition Derby de tracteur tondeuse. Si ça fait pas acheter le jeu, c'est que je sais pas ce qu'il faudra. Et il y a aussi une course spéciale que j'ai eu du mal à passer. T'es sur une espèce de tondeuse. Non. C'est une espèce de break chinois à trois roues. Tu vois, une espèce de truc de merde. T'es sur un terrain de enfin pas un terrain, un circuit. Comment on appelle ça? Merde, les trucs en ovale là. Les connards qui vont super vite, qui se tuent sur une espèce de route en ovale. Ah, j'ai l'impression. Mais non. Comment ça s'appelle? Putain, un gros ovale.
C'est un gros ovale, bref. Et t'es tout seul dans ton espèce de petit bus qui avance pas à trois roues, et t'as des bus scolaires de 30 tonnes, il y en a 24, et faut tous les cramer. Le problème, c'est que s'ils te touchent, ça t'envoie dans les airs, ça t'éclate contre les murs, ça t'écrase n'importe comment. Y a donc il faut passer... Non, non, il y a personne dans les bus. Mais faut passer ton temps à les esquiver, à ralentir, à accélérer. C'était vraiment un truc de ouf. On aurait dit la scène, tu sais, dans King Kong de Peter Jackson, où ils essaient d'esquiver les Diplodocus, là. C'est pas pareil. Putain, c'est précis. C'est un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Et les Sims 4. Ça, on passe très vite dessus. Les Sims 4, parce qu'il y a le DLC saison qui est sorti, et c'est très mignon. Il y a de la neige, il y a des et après, c'est sous on est plus tellement, on est plus tellement en hiver. Hein. Oui, mais il y a aussi la saison été, et justement, tu peux choisir des outfits exprès de l'été pour les Sims 4, ok? Il y a des super modes de cul aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai vu sinon? J'ai quasiment rien marqué dans ce que j'ai vu. J'ai vu Rampage, avec, pas celui de Uwe Boll, hein. Pas celui avec le sniper, Rampage Sniper en liberté, hein. Mais, Rampage avec. Très nazi. Existant. Très existant. Il existe, ouais. il existe beaucoup trop même, je trouve. Mais avec The Rock et des grosses créatures qui cassent des trucs, et ben c'était super sympa. C'était très joli à voir. C'est Legendary qui le fait également. Non, enfin, il est pas dans la. En tout cas, il est pas dans la continuité. C'est vraiment un truc. C'est juste un film. Ouais, c'est juste un film. Non, mais il est pas dans la lignée, quoi. Par contre, ce que j'ai vu après et qui a été une révélation que j'aurais dû voir bien avant, c'est Last Man, donc une série sur Netflix. Oui, putain, j'ai oublié ça aussi. Et qui est, j'étais super content que t'en parles pas, comme ça je peux en parler. qui est, je pense, un de mes dessins animés préférés, qui a détrôné, après son dernier épisode, qui a détrôné Batman The Animated Series, qui était mon dessin animé préféré. Je suis désolé, hein. Je vais être catégorique. Parce que. Il déchire. Hein. La grosse baston, le surnaturel, le héros qui est plus ou moins un guts débile, et les dialogues à la Audiard, je suis désolé. Comment mais ça, guts, c'est débile. Mec, c'était génial. J'ai regardé le trailer et ça m'a. C'est un boxeur. Ça m'a touché une couille tout en déplaçant l'autre, en fait. C'est un boxeur qui doit s'occuper d'une petite fille qui recueille, en fait, en gros, et qui a beaucoup de problèmes. À la fois de fric, de mafia et d'un culte. Là, tu m'as raconté le speech de Léon. De Léon, ouais, un petit peu, sauf qu'il est moins débile que Léon et moins balèze aussi, sauf que c'est une montagne de muscles. Enfin bref, je pense qu'il faut que tout le monde regarde Last Man. C'est français en plus, totalement français. Et oui, à la base c'est une BD, la série c'est une préquelle à la BD, donc vous pouvez mater ça sans problème. Est-ce que la série fait pleurer les Belges? Oui, je sais, oui, mais beaucoup de choses apparemment font pleurer les Belges. je crois en plus que Last Man, tous les épisodes durent 12 minutes, quoi. C'est comme c'est des ça, ouais, 12 minutes. C'est 26 épisodes de 12 minutes. Oh, c'est comme des cartoons, du coup. C'est un truc. Ça s'enchaîne rapidement, et du coup, tous les épisodes, il n'y a pas un seul épisode filler chiant. C'est tous des épisodes où ça déchire, et c'est vraiment incroyable, quoi. J'ai éclaté super rapidement. Ouais, c'est super joli, c'est simple, c'est violent, ultra violent. Il y a des passages qui font un peu plus animé, il y a des passages qui font un peu plus horreur. Enfin, c'est génial, vraiment génial ici. Et puis moi, c'est bon, du coup, Adwim, je t'en prie. Alors, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la PS Vita. À une époque très reculée, j'ai eu l'idée assez surnaturelle en soi d'anticiper l'achat. D'anticiper l'achat d'une future PS Vita. Alors pour ce faire et pour essayer d'étaler au maximum le prix de la bête, je me suis dit que j'allais acheter des cartes mémoire en premier pour ensuite acheter la console dans les mois qui viennent. Bien heureusement pour ma santé mentale et mon portefeuille, je me suis arrêté à la carte mémoire. Donc t'as quand même une carte mémoire de Vita chez toi, quoi. C'est ça que t'essaies de nous dire à mon coureur. S'il vous plaît. Bravo. Bravo. Ça, c'est un handicap qu'on a rarement vu. Avec en dessous. Mais Mathieu, comment peux-tu dire quelque chose d'aussi controversé et en même temps aussi brave? Je sais pas, ta gueule, Nicolas. Je suis assez impressionné. Du coup, qu'est-ce que j'ai vu, moi? À part ma PS Vita. Oui. Je me suis acheté un lot de comics pour faire plaisir à Spider et pour qu'il arrête de me casser les couilles avec ça. Je ressens le message, je m'en bats les couilles. Non, j'en ai acheté que ça, je voulais voir comment c'était, parce que ça fait longtemps que j'en avais pas acheté. Et du coup, je vais juste en parler d'un, je me suis acheté le Cross plus 100 là. Voilà. Le Cross. Donc il a acheté des comics, mais ça reste quand même les comics les plus vils de l'histoire de l'humanité. Non, il a acheté d'autres trucs. J'ai acheté un Je suis Thanos et le zombie Marvel mes couilles.
Marvel Zombie, ouais. Et bah, tu sais quoi, tu me déçois un petit peu. Ta gueule, ta gueule. T'aurais dû t'arrêter à Cross du sang. Du coup, bah, c'est le seul que j'ai vraiment lu jusqu'à présent et ça m'a vachement déçu, quoi. C'est. Ah ouais? Toi, tu connais bien Cross, Russian. Et ouais, je connais. Ce qui fait la force de Cross, et son histoire est vachement viscérale. Et t'as 116 des scènes extrêmement choquantes. Si, en fait. La scène du sel. C'est quand même une. En fait, c'est très bas et humain, en fait. Bah, c'est extrêmement. Les animaux, les mecs. Donc, ça te prend aux couilles, quoi. Et ce qui m'a choqué, c'est que, en fait, c'est tout plat. Ça prend pas aux tripes, quoi. C'est chiant, voilà. Je cherchais un mot, c'est chiant. Il y a quasiment pas d'action, en fait. Il y a pas d'action. Et surtout qu'il y a une idée. En fait, ils ont voulu représenter la déchéance des êtres humains par une régression du langage. Tu vois, le truc que même Mad Max avait pas osé faire. Le truc, c'est que c'est. Si, un peu quand même. Déjà, c'est moyennement une bonne idée si encore elle était bien retranscrite. Par moment, c'est juste imbitable. Mais voilà, c'est tout. Alors, du coup, tu es face à une BD qui est pas très bien dessinée, qui a pas beaucoup d'action et que tu comprends pas. Si vous voulez voir un drame humain qui parle de la condition humaine dégueulasse et qui prend au cou, vous avez qu'à regarder Cannibal Holocaust. Non. Oh, la scène de la fille qui se fait emballer là. Bah voilà, ça c'est bien. Oui. Voilà, on rigole. C'est plus ou moins cross. Du coup, ce cross plus sang, à part la fin qui. Bon, je vais pas vous en parler, mais juste le twist de fin en fait qui relance un petit peu d'intérêt, mais sinon c'est vachement plat. C'est cher pour ce que c'est, et du coup, moi je conseille vraiment les premiers tomes qui eux étaient vraiment. Le twist de fin, c'est qu'en fait, la planète sur laquelle ils sont, c'est la planète Terre. Non, en fait, à la fin, il y a Will Smith et son fils. À la fin, t'as Mario qui se réveille, en fait, c'était un rêve. Ah non, tu sais que c'est interdit maintenant, ça. C'est vrai. C'est interdit, ces fins-là, maintenant. Je suis allé voir un petit film, je sais pas si tu connais. En fait, j'aime bien les dinosaures. Du coup, je suis allé voir Jurassic World 2 trois fois. Dont une fois en 4D, qui compte pour 4. Deux fois en 4D. Deux fois en 4D. 4VX. J'ai lâché l'équivalent de 75 balles. Dire que j'aurais pu avoir un mois de course. Et du coup, bah, c'était sacrément cool. Tu l'as vu toi aussi, Russian, je crois, mais c'est. Ouais. Bah, on l'a tous vu, je crois. C'est vraiment, pour une fois, c'est le premier film de la série qui essaie des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'était vraiment un héros blanc, par exemple. C'était vraiment. Il y a toujours un héros blanc dans. C'est ça la blague, Aloui. Oh merde, excuse-moi. Est-ce que Omar Sy revient? Omar Sy devait revenir, mais il ne reviendra pas. Il était trop occupé avec un rôle tertiaire dans X-Men. Vous vous souvenez peut-être de Jurassic World 1, mais qui était un petit peu fade, un petit peu impersonnel, en fait. Là, c'est. Ce Jurassic World 2, en fait, il a vraiment la patte de son réalisateur, donc Antonio Bayona, je crois. Un truc comme ça. Tom Jambon? Non, on va l'appeler Tom Jambon. Jusqu'à du coup. Et du coup, Tom Jambon, il a vraiment une patte, il a vraiment une ambiance qu'il a réussi à retranscrire dans le film. Et c'est. Il y a même toute une séquence dans Jurassic World 2 qui est clairement horrifique. Et c'est ce que se vante en fait la série Jurassic Park depuis le premier film à 25 ans, d'être un film d'horreur, ce qu'il n'avait jamais réussi à faire. Et là, c'est le premier putain de film en 25 ans qui arrive à avoir une section horrifique. Et ça, c'est beau. Et rien que pour ça, il faut pas le saluer. Et surtout, cet enculé de Tom Jambon, il a failli me faire chialer au début du film. Attends, justement, j'ai pris une petite note avec ça, j'ai chialé exactement trois fois. Vas-y, donc la première, on va pas spoiler, mais la première avec la fumée, j'imagine, avec l'île dans le fond, c'est ça qui crame avec le brachiosaure, enfin. Ouais. Qui est le même brachiosaure d'ailleurs que le premier film, vu qu'il a la même façon de se lever. La scène à la fin où on pense qu'ils vont les laisser dans une autre salle en fumée. Ouais. Et une scène beaucoup plus personnelle, en fait, c'est quand t'es Claire et Owen qui sont dans un endroit un peu confiné et qui demandent à Owen ce qu'il a ressenti la première fois qu'il a vu un dinosaure. Et en fait, il y a Claire qui dit un truc vachement touchant, c'est que avant de le voir, même si on l'a vu dans des livres, dans des films, on n'y croit pas. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup parlé, c'est que dans le fond, les dinosaures, j'ai du mal à y croire. Même si je sais que ça existait, même si je me représente très bien, mais j'ai déjà vu des squelettes, mais j'ai du mal à croire que des trucs pareils ont pu exister. Et rien que ces petites phrases, en fait, ça m'a fait verser une larme parce que bah, ça m'a touché. Vraiment, c'est le film, j'ai trouvé vachement touchant dans cette séquence. Bah, c'était réaliste, quoi. En fait, du coup, ça t'a parlé à toi qui est un gros fan. Ça m'a parlé de me dire que c'est quelque chose que je me suis toujours dit, que j'avais jamais dit à personne, parce que j'avais jamais eu le sentiment de le dire. Et là, quelqu'un qui est venu et qui m'a gratouillé les couilles en disant Hey, du coup, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympathique. Hey, Mathieu, tu pleures. C'est le dinosaure. Et en plus, une autre scène. On a le retour de Jeff Goldblum. Ça c'est. En plus, oui. Oh putain, c'était super. J'ai beaucoup aimé ce truc in media res avec Jeff Goldblum. Et en fait, il encadre le récit. En fait, il arrive au début, il balance sa prophétie. On se rend compte qu'au fur et à mesure, sa prophétie, bah, on l'a dans le cul, elle se réalise. Et c'était vraiment un gros plaisir de le revoir. Et ouais. C'est très beau. Et c'est un bel homme.
Tu sais qu'il y a un compte Twitter qui s'appelle Jeff Goldblum Looks et c'est que des photos, je sais pas si c'est daily ou tous les deux jours, mais c'est assez souvent hein, avec des photos de Jeff Goldblum qui est habillé avec des trucs différents. Et tu vois que ce mec il chie la classe, peu importe comment il est habillé quoi. Du coup, le dernier quart du film, celle qui va le présager, parce que oui, il y a un Jurassic World 3 dans les bacs. De toute façon, ça a été prévu comme étant une trilogie. La fin est extrêmement couillue et va prendre plus de risques que tous les autres films Jurassic Park réunis, quoi. On est face à un truc, ça n'a jamais été tenté dans la série, c'est extrêmement risqué et franchement, c'est chapeau quoi. Moi j'ai extrêmement peur d'ailleurs parce que ça pourrait totalement se casser la gueule. Mais au moins il y a une prise de risque qui est évidente qui rafraîchit vachement la série, qui tourne un petit peu en rond avec son parc. Le parc marche pas, oh merde, il marche pas le parc. Oyon, c'est cassé, il va falloir reconstruire. Oh merde, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait, Oyon? Du coup, franchement, j'ai beaucoup aimé, je suis allé voir 3 fois, ça m'a coûté 70 balles. Je suis vachement enthousiaste pour la suite. Même si Jurassic World 3 va être repris par le réalisateur du premier et voilà. Tant pis. Bah, tant pis, c'était une bonne lancée. Voilà, et du coup, c'est la seule petite crainte. D'ailleurs, il y a plusieurs pétitions qui tournent pour que Tom Le Jambon reprenne le 3 et laisse de côté Colin Trevorrow à autre chose. Je sais pas à quoi, mais à autre chose. Et après, il faut quand même se dire que dans Jurassic World 2, c'est quand même c'est toute une équipe et Colin Trevorrow était également plus ou moins aux commandes, même si c'était pas lui qui était derrière la caméra. Ouais, mais c'est une équipe qui se suit depuis 3 films et donc on peut espérer quand même qui ressurgit sur quelque chose de plus sympathique. Bah surtout s'ils ont observé que pour le 2 il y a eu beaucoup plus d'engouement que pour le premier, peut-être qu'ils vont essayer a moins marché, il a coûté un peu plus cher, il a dépassé le milliard de dollars de revenus, ce qui fait un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma, mais en soi il a moins marché, mais en même temps ça s'explique par le fait que c'est pas Jurassic World 1 relançait une série qui avait été stoppée depuis 20 ans, elle a été fortement marketée. Jurassic World 2 n'a pratiquement pas, il n'y a pas eu de pub, on n'a rien vu par rapport au 1. Mais à part les trailers que tu vois quand t'es dans le cinéma, en fait c'est vrai qu'il y a pas eu de vidéo. Et ce qui est le plus représentatif, c'est que Jurassic World 1, ils avaient recréé un faux site pour vendre le parc, pour assécher billets. Le jour de la sortie du film, il y avait des encarts comme quoi il y avait eu un accident, ils avaient mis des numéros en place pour les contacter. Enfin, il y avait vraiment un truc extrêmement consistant. Et mais pour Jurassic World 2, il y a juste eu le site de l'association de protection des dinosaures et quelques tweets. Le budget com, j'ai l'impression que le budget com est passé plus dans le film et dans Chris Pratt. Enfin, vraiment, ce que je retiens, c'est que le film est couillu, il essaie plein de choses, c'est vachement joli, il y a des scènes qui sont vraiment magnifiques. Il m'a fait vraiment flipper aussi le film. Et vraiment, t'as des scènes. Une section du film là, qui m'a fait me chier dessus. Et du coup, pour rebondir là-dessus, il y a un jeu qui est sorti en même temps. Encore une demi-heure de dinosaures. Ça fait 75 plus 50 euros, ça commence à faire des thunes. J'ai passé une vingtaine d'heures sur Jurassic World Evolution et c'est bien, c'est juste bien. C'est vachement mitigé. En fait, c'est plaisant, mais le jeu est beaucoup trop limité. Au départ, t'es plutôt enthousiaste parce que tu te rends compte que c'est joli, il y a plein de dinosaures, il y a un nombre incalculable de dinosaures, enfin incalculable, il y en a 60, mais c'est beaucoup. c'est beaucoup. Très facilement calculable. Durant les premières heures, tu prends vraiment plaisir à aménager des petits enclos tout mignons, à les voir heureux parce qu'il y a une grande interaction entre les dinosaures, entre eux, entre l'environnement, etc. Donc tu passes du temps à les regarder, sauf que au bout de 5-6 heures, ça tombe un peu à plat. Il y a tout un système de missions qui est vachement sympathique en fait. Le parc, il est dirigé par 3 gros pôles stratégiques. T'as le divertissement, la sécurité et la recherche. Et donc, on réalise des missions auprès d'un pôle ou un autre pour débloquer certains items qui leur sont spécifiques. Et ce qui est drôle, c'est que tous ces pôles se tirent un peu la bourre. Et si on en favorise un, si on en défavorise un plutôt, il va se mettre à saboter le parc, qui va rajouter une petite constante aléatoire. Enfin, ça fait partie de ces bonnes idées. Le problème, c'est que le jeu, il est beaucoup trop contemplatif. Tu vois, t'es attardé, j'ai déjà caché. Il est beaucoup trop contemplatif, et pour un jeu qui a été réalisé par Frontier Development, qui est à la tête de Planet Coaster, donc qui est un jeu qui est connu pour son extrême personnification, notamment grâce au teamwork. Liberté d'action. Bah, là, le problème, c'est qu'on a un jeu qui a licence, et là, t'as Universal qui sont arrivés et dit hop hop hop, nous on veut pas d'attraction en forme de couille dans notre parc. En forme de Jeff Goldblum. C'est ça, et du coup, ils ont totalement cloisonné le jeu. Et il n'y a pas de teamwork, le jeu est limité et c'est. Mais c'est dommage. Je crois que les devs l'avaient dit ça avant de sortir le jeu, comme quoi ils pouvaient pas ajouter de mode. L'Universal a bloqué, ils ne voulaient pas tout simplement.
Putain, mais quel connard. Ils avaient, comment dire, les développeurs avaient sorti, non, si on change une seule ligne de code pour ajouter les modes, ça va faire planter tout le truc. Du coup, ouais, le truc d'universel qui bloque tout, ça me paraît un peu plus logique. Pour digresser un petit peu. Faut pas rajouter une seule ligne de code pour ajouter des modes, ils sont cons, moi je leur explique. Hein. Faut rajouter plein de trucs, hein. Moi je sais faire, hein. Tu sais, pour digresser un peu, récemment, il y a eu un Kickstarter pour un board game Resident Evil 2 et comme j'ai donné beaucoup d'argent, j'ai droit à beaucoup de news également, et ils nous disaient que pour chaque modification, pour chaque personnage, chaque image liée à Resident Evil, ils sont obligés de le faire valider par Capcom. Donc le moindre changement, le moindre pixel qui bouge sur une figurine, la couleur, la taille, le type de PVC, tout doit être validé par Capcom. C'est le cahier des charges. Et en plus Capcom, vu que c'est un petit peu des trous du cul, ça doit pas être rapide la réponse non plus. Donc tu m'étonnes que ça doit être du boulot, hein. Franchement, en ce moment, faut Capcom. Je l'avais dit dans un tweet. Pour moi, Capcom, il est revenu quand même au top. Donc pour moi, Capcom, là, ils sont au-dessus quand même. Mais c'est ça. Voilà. Franchement, faut dire que c'est leur licence et qu'ils veulent pas qu'on fasse n'importe quoi avec. Franchement, avec Street Fighter V, avec la sortie un peu catastrophe du Street Fighter 30th Anniversary, là, avec 3 jeux sur 5 qui marchent, les lobbies qui sont pétés, etc. Moi, je trouve que Capcom a quand même eu pas mal de fausses notes. Après, ils se sont pas mal repris avec Monster Hunter World, avec la promesse d'Horizon Evil 2 sur PC, avec beaucoup de trucs, certes, mais j'irais pas jusqu'à dire que c'est des sympas. J'irais pas jusqu'à dire que c'est des parangons du goût comme CDPR par exemple. Mais tu sais, c'est difficile à dire ce genre de truc parce qu'un studio de développement, justement, une firme, c'est plein de studios de développement. C'est sûr. T'as un studio de développement dans une partie du monde qui va s'occuper d'une série de jeux et qui pourrait fournir une qualité de service qui est totalement différente d'un autre. Donc c'est quand tu dis en tant qu'entité. Oui, en tant qu'entité, mais quoi. Ça arrive que ces studios ont une certaine liberté. Donc Bien sûr. Bon, c'est comme Rockstar, hein, comme le Rockstar qui s'est occupé de GTA, c'est pas du tout le même Rockstar qui s'est occupé de L.A. Noire par exemple. Ou de Red Dead, c'est pas du tout les mêmes. Il y a Rockstar Vancouver, il y a Rockstar Londres, il y a Rockstar Mougier, Rockstar Nantes. La poissonnière. Donc voilà. La poissonnière. Jurassic Park d'évolution, je suis un peu mitigé jusqu'à présent, c'est pas très difficile. Tu passes des heures, mais c'est moyen quand même. C'est moyen, c'est très contemplatif. Là, en fait, j'ai repassé une grosse série d'heures parce que j'ai remarqué qu'il y a tout un lot de missions principales que j'avais pas réalisées. Du coup, en fait, ce qui est cool, c'est que le monde est quand même persistant. Et quand tu commences avec un parc, en fait, si tu réussis certains objectifs, on va te donner les clés d'un autre parc, mais le premier va subsister. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde qui se forme un petit peu, et j'ai remarqué que j'avais pas réalisé des missions pour le premier. Du coup, j'ai dû retourner et réaménager une grande partie du parc, et ça a rajouté une grosse dose de difficulté, en fait. Donc j'y rejoue depuis une dizaine d'heures, mais c'est un peu artificiel. C'est moi qui ai créé. C'est une difficulté émergente, en fait. C'est pas ce que le jeu devait proposer. C'était pas ce qu'on avait prévu. Il y aurait pas assez de contenu, en fait. Même de ce que j'ai vu, la taille des îles, c'est pas énorme. Ça, c'est pas ce qui me choque le plus. En fait, à la cinquième des îles, t'as un truc très ouvert quand t'es arrivé le jeu, et là, tu peux faire un peu ce que tu veux. Les autres, en fait, les îles, là, j'en suis une, c'est limite un casse-tête, en fait. L'île est très triquée, c'est à toi de vraiment mettre des trucs en norme. Donc, c'est pas ce qui me dérange le plus, en fait, que les îles soient un peu biscornues, un peu petites. C'est un peu comme Tropico, en fait. Tu te souviens, dans les îles avancées, Tu dois faire des choix. Tu dois vraiment prévoir à l'avance. Donc, ce qui est vraiment dérangeant, c'est le manque de bâtiments, le manque de variété de dinosaures. T'as pas de dinosaures aquatiques, t'as pas de volières, pourtant des trucs qui c'est pourtant des dinosaures qui sont très présents dans la série. T'as pas de dinosaures volants, quoi, alors que t'en envoies Dans Jurassic World, le gros qui mange des gens, là. Qu'on voit dans le Mosasaur, oui. J'en sais rien, moi. Je te le dis, je suis pas sa mère, mais lui, par exemple, c'est un personnage central de Jurassic World. C'est marrant de sortir un jeu qui s'appelle Jurassic World Evolution et qu'il soit pas dedans. Ouais, et c'est pour ça qu'on attend beaucoup dans les DLC de rajouter des variétés de dinosaures. Ouais. Et du coup, le dernier truc que j'ai fait. Alors, comment dire? Le jeu du foudre. C'est ça, le jeu de biscuit. Alors, c'est un jeu. Ça s'appelle Fear the Wolf. Je vois. C'est un battle royale. Alors, c'est un jeu d'action. je suis pas le seul. Du coup, c'est un battle royale développé par Vostok Game, donc qui a la charge ils ont sorti un battle royale à leur sauce pour surfer sur la popularité du truc, quoi. Donc t'as en early access. Il est pas encore en early access, monsieur. Il est décalé de l'entrée en early access de quelques semaines. Et c'est une très bonne idée. Ouais. Tu m'étonnes. Et en fait, pour commencer par les bons points, il y a plein de bonnes idées. En fait, t'as des composantes de PVE.
Donc déjà, donc t'as des monstres sur, bah des monstres, t'as des loups un peu monstrueux sur la map qui vont essayer de te bouffer. T'as des radiations, t'as des anomalies, ce genre de truc. En fait, c'est très stalker-like en soi. T'as toute une ambiance en fait, encore une fois, qui est très pesante et qui est assez bien maîtrisée. T'as le fait que la map, elle se diminue pas de manière circulaire, comme ce que font tous les autres Battle Royale du monde. En fait, c'est ça forme des sortes de corridors qui partent des extrémités pour se rejoindre le centre de la map. Le centre qui bouge un petit peu à chaque fois. Mais du coup, ça, tu n'es pas constamment forcé de foncer vers le milieu. Tu peux vraiment essayer de repérer un petit corridor qui va se former pour essayer de prendre ton temps dessus. Enfin, prendre plus ton temps. C'est une bonne idée que je trouve vachement appréciable et qui va un petit peu relancer un peu l'intérêt du jeu. Le problème, c'est que techniquement, c'est la rue, quoi. C'est chaud, quoi. Là, à côté de moi, j'ai un PC à 2K. Je peux pas y jouer. Voilà, juste pour aussi un petit peu. Le feeling des armes. Voilà. Et le plus drôle, c'est la réutilisation d'assets. Alors, j'ai regardé un live hier, et à un moment, il y a quelque chose qui me choque. Ils ont repris un bâtiment de Survarium. Ils n'ont pas repris les détails. Ils ont repris le bâtiment. Alors, j'ai montré ça à Momo, et Momo m'a dit une phrase pleine de philosophie. Il m'a dit qu'avec un tel niveau de recyclage, il devrait être au ministère de l'écologie. Et je pense. C'est affolant. On retrouve le même item au même endroit dans la même pièce. Et pourtant, la paire de bollocks qu'il faut pour la sortir. Le truc, c'est que malgré tous ces défauts, en fait, j'ai du mal à en vouloir au studio. J'ai vraiment un regard vachement bienveillant parce que je sais que c'est un petit studio ukrainien qui a pas beaucoup de moyens, qui galère à sortir des jeux et qui en fait essaie juste de surfer sur la popularité des Battle Royale avec ce qu'ils savent faire, donc des jeux à ambiance, pour essayer de grappiller des sous et pour pas fermer avant les 3 prochaines années, quoi. Enfin, du coup, je sais bien qu'ils cherchent juste à sortir la tête de l'eau, et voilà, je peux pas, même si le jeu est pas terrible, bah on attendra sa sortie véritable, mais voilà, achetez-le pas non plus, mais ne le crachez pas sur la gueule, ils sont déjà sous plein de crachats, c'est pas la peine. À partir du moment où le jeu, je trouve qu'il est pas fait à partir de bonnes intentions, c'est un peu comme faisait Cliffy B, tu vois, Cliff Blazinski. Putain, mais ils font chier avec leurs hélicos là. Et si c'est sa volonté de mourir à la Wagba là. Cliffy B faisait pareil, si tu veux, où il a essayé de lancer son Battle Royale, il a essayé de balancer. Son hero game, son hero arena game, ça a foiré dans les deux cas, son chien va mourir. Bon, c'est triste, tu veux, mais d'un côté, est-ce qu'il a pas un peu cherché la merde? Il se donne énormément de moyens, quoi, parce qu'ils savent très bien que c'est un peu leur Final Fantasy, quoi, il faut que ça marche. Du coup, là, le jeu a été repoussé, ce qui est une très bonne chose, parce qu'en fait, il y avait un Discord pour les bêta-testeurs. Dont je fais partie d'ailleurs, j'ai été étonné d'être choisi. Et tout le monde leur a dit en fait de vraiment que le jeu n'était pas sortable en soi, qu'ils allaient, même s'il sortait en early access actuellement, il allait se faire défoncer et ça allait faire une warzie, quoi, donc le jeu allait jamais se relever. Et ils ont écouté l'avis de nous tous et ils ont décidé de le repousser de plusieurs semaines. Oh les beaux gosses! Et franchement, c'est beau, en même temps, s'il l'aurait pas écouté, le Discord il servira à quoi, quoi? S'il l'avait pas écouté. Oh putain! Les six n'aiment pas les raies. Et moi j'aime pas ta gueule. Et bah tu peux te barrer, t'es viré. Donc voilà, franchement, Fear the Wolf, oubliez-le pour le moment. Allez voir dans quelques mois ce qui devient de lui. Et donnez-lui une petite chance, il passe à 20€, quoi. D'ailleurs, Russian, en parlant de Battle Royale, est-ce que dans tes sujets, tu as The Culling? Oui, c'est justement, c'est justement ce de quoi je voulais parler juste après ça. Bah vas-y, tu peux commencer. On peut, parce que oui, en question effondrement, si tu veux. Le dernier effondrement que j'ai vu aussi grave que The Culling, c'est le bloc communiste. C'est un truc de malade. Donc, The Culling 2 est sorti. Il y a de ça peut-être une semaine maintenant, corrigez-moi, une semaine et demie peut-être, à peu près un truc comme ça. Et donc ça a été un flop cosmique. Rien. The Culling 1 était un des premiers, d'ailleurs, enfin peut-être pas un des premiers, mais c'était un battle comment on appelle ça, un battle royal, qui était vraiment très honnête, qui était vraiment cool. Moi je l'ai acheté même, et ils ont sorti The Culling 2 après avoir lâché complètement le développement de The Culling 1, après avoir promis de s'en occuper. Ils ont sorti The Culling 2 qui était vraiment vraiment une immondice. On aurait dit un comment on appelle ça, un PUBG mais sur PSP. C'était vraiment dégueulasse. C'est le moteur graphique de The Warzy, mais
Oui, voilà. Non, 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 c'est vraiment une catastrophe. Les gars se sont excusés. Ils ont d'abord balancé un bon petit mème. Je sais pas si vous le connaissez. C'est le mème du. C'est un petit chien en train de boire du café. Sa pièce est entièrement en train de brûler et lui il est là. Oh, ça va. et donc oui, ils se sont fait chasser tous les côtés. Uniquement 250 personnes avaient acheté le jeu, ce qui est ridicule. Il y avait eu absolument aucune campagne marketing. Tout le monde lui a chié sur la gueule. Les seuls jeux qui ont acheté le jeu, c'était des gens qui voulaient le filmer. C'était des YouTubeurs, je pense. Ils ont retiré The Culling 2 de Steam. Ils ont remboursé les 250 personnes, 248 je crois, qu'il avait acheté. C'est important, deux personnes dans ces nombres-là, deux personnes, ça fait quand même beaucoup. Ils sont excusés donc avec une vidéo. Ils ont dit qu'ils allaient un petit peu revoir leur priorité. Voilà, merci beaucoup. Et ils ont dit qu'ils allaient surtout continuer le développement du premier The Culling, qui est donc passé en free-to-play. Donc ils ont repris le premier The Culling après avoir annulé le 2, ils l'ont passé en free to play et ils ont dit eh ben écoute, on va continuer plutôt à s'occuper de celui-là plutôt que investir de la thune à en faire un tout nouveau. Et du coup ça rassure pas mal de monde. J'ai une petite statistique sur The Culling 2 si tu veux, Océane. Il y a actuellement moins de 10 joueurs connectés simultanément en moyenne. Non mais je crois que attends, oui. c'était justement une semaine après la sortie du jeu, du coup il y a quoi, 4-5 jours, il y avait une personne en ligne, sur le jeu. Une personne en ligne. C'était Jim, je crois, de Jimquisition qui est. C'est quoi ? Il y a une histoire derrière, parce que là je regarde une image et t'as un conteneur avec un logo de laboratoire génétique et le slogan c'est le futur optimisé pour la gaieté, happiness. Si, ça, c'est la gaieté, ouais, le bonheur. Le futur optimisé pour le bonheur. C'est beau, ouais, c'est beau. Je comprends pas. Non, mais en plus, je te dis, le premier The Culling était vraiment sympathique. Il y avait un système de monnaie dans le jeu où tu pouvais recycler des objets pour de la monnaie et cette monnaie, tu l'utilisais pour crafter d'autres trucs. Donc en fait, t'avais tout ce truc de recyclage ou pas recyclage. Est-ce que je garde, est-ce que je garde pas? Est-ce que je crafte ou est-ce que je garde mon arme? En fait, c'était vraiment agréable et ouais, c'est assez dommage quoi. Bah écoute, si il commence à se concentrer sur le premier, je suis plutôt content et j'ai l'impression que ça a pas forcément été leur but d'enculer tout le monde. Ça a été un gros problème de communication, gros problème de publisher aussi, donc je pense qu'on peut pas trop leur en vouloir, même si c'était absolument dégueulasse, ouais. Mais d'ailleurs The Culling 1 était en termes de Battle Royale, c'est parce que maintenant c'est tout le monde, qui fait un Battle Royale, c'est ouais on met des armes à feu et tout, etc. Chacun a sa petite spécialité, mais The Culling était vachement vachement corps à corps et vachement plus sauvage en fait. C'était des couteaux, des lances, il y avait du pepper spray je crois, t'avais plein de seringues pour t'améliorer. Je crois que les rares armes à distance c'était les arbalètes et les arcs. Donc oui, c'était bien plus sauvage que ça. Mais je te dis, le premier The Culling, moi je pense qu'il aurait fallu qu'il se concentre beaucoup plus dessus, parce que c'était vraiment un jeu en plus qui réussit pas mal. Je sais qu'il y a, comment il s'appelle, Northern Lion, qui faisait des vidéos dessus avec ses potes avant, et que ça avait attiré une assez conséquente fanbase quand même. Et ouais, non, je trouve que c'est plutôt une bonne chose en fait ce qui s'est passé. C'est un fail pour une réussite quoi. Donc il faut voir ce qu'ils vont faire avec. Et puis ouais, pourquoi pas. De toute façon moi je l'ai, donc on verra bien, hein. qu'est-ce qu'on a d'autre? Gros sujet du coup dont on a un petit peu parlé tout à l'heure sur Rainbow Six Siege. Ils ont rajouté un système anti-toxicité, c'est comme ça que je l'ai appelé sur mon truc, je sais pas comment ils l'appellent trop en jeu. C'est un bot qui bannit automatiquement, qui kick d'abord et qui ensuite bannit s'il y a des profanités qui sont proférées sur le chat. Voilà. Ça a été implémenté il y a une semaine à peu près. Il y a pas mal de faux positifs parce que par exemple en espagnol il y a des compétences avec le mot négro dedans pour noir et donc les gens se font kicker pour ça. moi je trouve personnellement, je vais donner mon avis avant que vous le donniez vous, mais moi je pense que c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, ça permet d'évacuer un bon nombre de connards. Le seul problème que je trouve à ça, et le seul problème qui je pense va être irrémédiable, c'est qu'il y a aucune possibilité d'appel et que même en fournissant un screenshot avec le contexte, par exemple quelqu'un par exemple justement qui est espagnol et qui dit négro parce que c'est le nom de sa compétence, ou par exemple je crois que le mot trap, j'ai entendu tout à l'heure que le mot trap avait été interdit, ça, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais non, ça m'étonnerait que ce soit vrai parce que ce serait vraiment super bizarre, mais c'est dans le vocabulaire du jeu donc ce serait vraiment bizarre, mais par exemple une faute d'orthographe, tu te fais bannir pour ça, ce serait con tu vois de pas pouvoir filer un screenshot pour juste te faire des bannir. C'est le seul problème que je trouve à ça. Sinon, moi, je pense que c'est une bonne chose, ouais. C'est une excellente chose, même.
La plupart du temps, en fait, sur R6, genre, quand on jouait avec des randoms qui parlent anglais, les mecs, ils parlaient pas de trap ou quoi que ce soit, c'était, comment dire, c'était le hatch, ils parlaient de hatch, et du coup, Non, trap dans, pièges, dans le sens pièges. De piège, ouais, okay. pas dans le sens de la trappe, pas le pays, quoi, enfin, pas la région. Après, en même temps, est-ce que tu as souvent l'occasion, dans le chat in-game, de voir autre chose? En majorité, tu vois énormément d'insultes ou de messages qui n'avaient pas forcément d'importance pour jouer. Enfin, moi, personnellement, dans ce genre de jeu, le chat, je le désactive et je l'affiche même pas, quoi. Je veux dire que... Bah écoute, on trash talk de ouf en français. Ce qui est marrant, c'est que oui, déjà en français, tu peux y aller parce que le système te capte pas du tout. C'est dégueulasse qu'on fait, hein, mais on trash talk de malade en utilisant des moyens absolument retors. Et ça demande beaucoup d'imagination. Et du coup, c'est super marrant. Quand tu joues avec des Anglais, suffit de dire un truc en français, l'autre il va t'insulter. Moi, des fois, je disais quand un Anglais m'insultait, je lui répondais omelette de fromage ou salade de fruits. Et le mec, il s'est dit encore plus, quoi, c'était miraculeux. Bah, c'est ce qu'on balançait, nous on balançait des trucs genre bah peut-être, mais nous on est champions du monde, ou sympa le ski, ils font les mêmes pour hommes, ou combien coûte ta mère, enfin des trucs comme ça, ce qui sont pas vraiment des insultes à proprement parler, mais qui sont des trucs qui font mal, tu vois. Et oui, on s'amusait pas mal avec ça. Et mais je pense personnellement que c'est pas négatif du tout. C'est pas négatif, mais c'est mal amené, quoi. C'est mal amené, c'est très brutal. Ça, il y a un petit côté équilibrium dedans. Genre, si tu tranches pas, t'es mort. Donc, c'est pour ça que ça gueule, hein. C'est pour ça que ça gueule. Mais maintenant, je dis que je pense que les résultats vont être positifs dans un petit moment maintenant. Bah. Même s'il y a beaucoup de moyens de contourner le truc, ça va quand même faire en sorte que les gens se tiennent un petit peu à carreau. Je sais qu'il y a un gros problème de gens, par exemple, en ranked dans les jeux qui sont en ladder. Ils essayent de piéger les gens sur le chat à balancer des insanités, justement, pour Ah mais, tout à l'heure on s'est fait quelques parties avec Elda et WAP et il y en a qui essayaient pour de vrai, quoi, qui essayaient de niquer des mecs comme ça, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il faudrait pas dire des vu que t'as trois cons, ça marche pas, mais est-ce qu'il faudrait, en fait, il faut pas un système extrêmement violent pour réguler un univers qui l'est tout autant, quoi. C'est quoi l'anglais, genre, pour cigarette, et le mec il fait fag, ouais. Et après il se fait ban. Boum, il se fait ban. Ouais, mais écoute, faut jouer au con. De toute façon, je pense que c'était nécessaire d'avoir un chat, ouais, dans ce jeu. Mais comme tu l'as vu, on peut jouer. De toute façon, c'est un jeu qui se joue pas en écrivant, c'est un jeu qui joue en voix IP. Donc tu peux facilement désactiver le chat pour pouvoir jouer. Quand de toute façon, c'est avec que t'es potes. Mort, tu veux insulter l'adversaire. Oui, voilà. Si t'as vraiment envie de foutre la merde, bah t'as qu'à aller sur 4chan ou sur les forums et tu montres ta gueule à tout le monde. Fortnite. Écoute, vas-y sur Fortnite. Non, mais au moins Rainbow Six, c'est un bon jeu qu'on peut parler à Fortnite. Ça me fait rire, tout à l'heure, j'avais vu l'image de quelqu'un qui disait que le fun était désormais était interdit, en fait, sur Rainbow Six Siege. Cake. Et du coup, si ça se résumait, c'est Arcana, c'est ça. Je sais pas, mais si ça se résume, le fun à insulter les autres de négro, je me dis qu'il y a une certaine limite. Je comprends que ça puisse manquer un petit peu de trash talk. C'est toujours marrant, un petit peu de trash talk, mais ils ont jamais empêché le trash talk. Ils ont juste empêché les obscénités. Donc c'est à dire que tu te feras pas traiter de fils de pute. Peut-être que tu te feras traiter de fils de catin. Et ça va mieux. C'est déjà beaucoup. C'est déjà plus propre. T'as mère traîne dans les rues la nuit. Ça, j'accepte. C'est dans un français très correct. Et on apprend des tournures de phrases. Moi, franchement, je suis pour. On en apprend tous les jours après. Donc voilà, gros. Du genre, ta mère aime lécher des glands contre rémunération. C'est. Ça, tu crois que ça passe? Tu crois que ça passe? Bah, j'ai un doute sur gland. Ça va. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux news en fait qui se rapprochent un petit peu du même problème de jeu pas fini. No Man's Sky qui a enfin une update qui rapproche un petit peu le jeu de ce qu'ils avaient promis à la base. Donc je crois qu'ils ont teasé et que ça n'a pas encore été annoncé avec une date. Je suis pas sûr, je me suis pas trop renseigné, mais qu'il y aura enfin du multijoueur dans No Man's Sky. Bah justement, c'est l'inverse, parce qu'à la fin ils avaient prévu un jeu solo surtout. Au début, ils avaient prévu un jeu multijoueur. Vous verrez en ligne, etc. Dans mes souvenirs, ils avaient surtout vendu un jeu solo avec des compétences multijoueurs. Mais il y en avait même pas de compétences multijoueurs. Le truc, en fait, qu'ils avaient prévu, No Man's Sky, à la base, c'était quand il avait présenté, c'est lors des interviews avec Sean Murray. Murray, il lui demandait, est-ce que ce sera possible de voir les autres joueurs, d'interagir avec eux, etc. Et le mec, il lui avait sorti, ouais, et en fait, genre qu'on lui avait posé plusieurs questions plus loin, un peu dans le même genre, le mec il a fait dans un sens. Et je crois que c'était littéralement 2 jours après la sortie du jeu, il y a 2 mecs qui étaient en stream sur PS4 qui s'étaient retrouvés exactement sur la même planète, qui avaient exactement
exactement le même panorama. Ouais. Et, ouais. Et les mecs ils font bah t'es censé être sur ma gauche, et le mec il fait non mec, moi je te vois pas. Hein. Et justement c'est ça le truc, c'est qu'il Sean Murray a pas été très honnête et qu'il avait utilisé la défense de alors oui vous pourrez vous voir, mais l'univers il est tellement grand que ce sera certainement pas possible de se croiser et tout. Et en fait c'est des conneries. Des voilà c'est si, ça si, le problème qui a choqué tout le monde. Tellement grand, tu vas pas te croiser. Mais il est là. Non, c'est pas vrai, vous êtes pas au même endroit, non, ça déconne pas. Et du coup, ça a pété un câble de ce côté-là, et maintenant, il y a enfin des gens compétents qui s'en sont occupés. Alors, je sais pas, j'ai pas trop compris, est-ce que c'est Sony qui s'occupe de faire les patchs? Non, c'est la boîte. C'est la boîte. C'est bien la boîte, c'est ouais. Hello Games, ou Hello Kitty Games. Hello Games, ouais. Hello Games. Donc voilà, il y a enfin une update qui s'approche, apparemment, il y aura aussi des mises à niveau de plein de trucs, de la génération aléatoire de planètes et de créatures, etc. Donc, écoute, si ça. Il y aura des dinosaures. Bah oui, mais t'as vu la gueule des trucs, c'est des aliens chelous, donc oui, c'est plus ou moins des dinosaures, mais. En autre jeu qui a été réparé, qui a été rafistolé, c'est un truc qui m'a tué, c'est sur Alien. Le jeu Alien. Ah oui, c'est Colonial Marines. C'est Colonial Marines, d'accord, attends, c'est bien ça. Le jeu était absolument niqué et il y avait des vidéos génialissimes de l'alien dedans, du xénomorphe, qui faisait n'importe quoi parce qu'il était complètement attardé. Et les gens avaient jamais compris pourquoi le jeu s'était fait incendier dans tous les sens. Et en fait, un mec avait découvert que dans les lignes du jeu, dans je pense, un module qui servait à l'IA, il y avait une faute d'orthographe. Au lieu de marquer Tether, c'était marqué Teaser. Et du coup, le mec a juste enlevé le A. De ce module-là qui avait été implémenté, et apparemment ça a réglé énormément de problèmes d'IA qui du coup maintenant était beaucoup plus vénère, il se cachait, il te contournait, etc. Et apparemment c'est juste le seul problème qu'il y avait, quoi, pour que le jeu se fasse moins incendier. Le jeu c'est toujours de la merde, hein, mais au moins l'IA, si tu veux, maintenant elle est un peu plus raisonnable, et ça m'a tué, quoi. Et je crois que justement ce studio-là maintenant recherche quelqu'un pour le code proofing. Je trouve ça génial. C'est gigantesque. Ça fait un peu penser à l'IA de Trespasseurs où ils ont pas eu le temps de la finir, et du coup alors que les dinosaures devaient avoir un système de relation entre eux, comme ils ont pas réussi à le finir, ils ont mis tous les dinosaures agressifs. Du coup, alors que les dinosaures devaient discuter et tout, ils sont tous teubés. Ah, c'est super, moi je kiffe. Ah, je kiffe. Ça sent bon les frites froides et la bière, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Je sens que les mecs ils ont fait ça, le mec il est resté un peu tard un soir, il a dit oh putain, je lui dis ça et puis je vais voir Jean-Luc Reichmann, donc il a fait les couilles. Il a foiré son truc complètement, c'est génial. Je pense que je regarde les notes de l'époque du jeu, y a aucune bonne note à part une, un magazine qui s'appelle EGM, donc Electronic Gaming, Monthly, et il lui a donné la note de 9 sur 10. Alors, what? Comment dire? Ils ont pas dû jouer au même jeu, quoi. Je suis désolé, ils ont pas dû jouer au même jeu. Les mecs, ils ont lancé Alien Isolation. Oh, mais il est pas si dégueu au final. Attends, mais il marche pas bien. C'est la merde, je crois pas. Bon, ça va être les magazines qui sont donnés, genre dans les Micromania, ou. C'est des jeux qui vendent. Oui, c'est des jeux qui vendent, alors ils vont pouvoir dire du mal. C'est un magazine local, l'éditeur en chef c'est le cousin d'un des mecs de l'Alien, tu vois. TKT bébé, je connais. Mais un 9 sur 10, comment tu veux que les mecs ils voient pas qu'il y a une couille, quoi. C'est... Ah, il va se vendre comme des petits pains. D'ailleurs, en parlant de Alien, je fais juste un tout petit détour. excuse-moi. C'est du suspense en tout cas. Vous avez tous vu Alien 3, oui. Ici. Avec Ron Perlman. Oui, avec Ron Perlman. D'accord. Alors oui. Avec Lance, je veux aussi. Bref, et en gros, c'est que le scénario. Winona Ryder aussi. Faut arrêter un moment. J'arrête. Tu vas avoir des soucis. Et bref, en fait, c'est que le développement du film, ça a été catastrophique. Ils ont changé 1000 fois de scénario, etc. Et il y en avait un qui avait été fait, et à ce qui paraît, il était absolument cool. Et sauf que c'est le réalisateur qui a fait non, ton truc, c'est de la merde. Et littéralement, il y a 99% du scénario qui a été changé. Et il y a pas longtemps, en fait, il y a un éditeur de comics qui a dit, qui a parlé à celui qui avait fait le scénario. Et le mec, en fait, je sais plus son nom, mais en gros, il leur a lâché le scénario. Il fait, allez-y, faites-vous kiffer. Et en fait, les mecs, ils vont sortir un comics qui s'appelle Alien 3 et qui reprendra le scénario original comme il était censé l'être. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Ça peut être vachement intéressant. Ouais. Et par contre, il paraît que c'est sur fond de guerre froide, en gros, comme quoi ce serait l'URSS et les Américains qui voudraient s'emparer du xénomorphe et savoir comment le militariser, en fait.
Ah oui, c'est marrant. C'est, ça, c'était une thématique dans tous les films de cette époque-là, de toute façon. Mais, donc, buter du russe. Mais Alien 3, c'est celui que j'aime le moins. Ouais, pareil. Attends, c'est celui donc, de la prison, Alien 3. Si je peux. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est avec celui où il y avait le xénomorphe. Ron Perlman dans Alien 3. Dégueulasse. Mais oui, il y a Ron Perlman, il y a Winona Ryder, il y a toute une troupe de gueules cassées. Mais tu vas Jean-Pierre là. T'es sûr que tu parles pas du 4? Oui, c'est dans le 4 qu'il y a Ron Perlman. Ah oui, c'est, bah c'est le 4 que j'aime le 4, moins. Le 4 c'est avec Ripley qui a été cloné et qui ressemble à un. Qui a un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais le 3 c'est dans la prison. Ou quand t'as Ripley à la fin qui saute dans la lave. Et du coup, je suis allé voir la conclusion de EGM là. Et donc, cet alien est la meilleure. C'est la meilleure, le meilleur jeu qui vous procurera une expérience alien à ce jour. Waouh! Wow. Deux ans plus tard, Alien Isolation sortait. Merci EGM! Qu'est-ce qu'on fait sans vous? Mais à vrai dire, il s'est pas noté si c'est noté sur 10 ou sur 20. Donc. Ouais, ah mais attends, dans les expériences Alien, il y avait carrément mieux. Genre Alien vs Predator, celui qui était sorti en 2000, là, bah, ouais, il était carrément mieux. Ah, il était horrible, même quand tu jouais un Xeno, tu comprenais pas si t'étais sur le plafond ou sur par terre. Quand ça tu jouais un Predator, tu te faisais niquer par tout le monde. Ouais. Il était tellement cool ce jeu, je l'ai défoncé. Ah ouais, c'est super. Je l'ai sur GOG d'ailleurs. Sur GOG. Tiens, en parlant de GOG, bam. La transition. Goodoldgames.com qui ont sorti Postal 2 Paradise Lost sur leur site. La merde. Donc je vous rappelle, GOG, hein, c'est un système d'achat et de jeux vidéo en ligne. Steam sans DRM. N'est-ce pas ? C'est Steam sans DRM et qui a été créé par CDPR, les devs de The Witcher. Et ils ont sorti Postal 2 avec une image. J'étais discret. avec une image du Postal Dude, je crois qu'il s'appelle comme ça, si je me gourre pas, qui pisse sur une tombe avec marqué, et sur la tombe c'est marqué le journalisme vidéoludique. Oh là là. Donc ça a violenté un peu le bordel. Et il y a plein de mecs qui ont gueulé sur GOG, Good Old Games, en disant oui, vous êtes associés avec Gamergate, vous êtes des racistes et des sexistes. Ça a pris des proportions gigantesques, voire cosmiques. Donc GOG Games a été obligé, même s'ils sont très très cool et qu'ils sont polonais, ils ont été obligés un petit peu de back down, de back pedal. Donc ils ont dit oui, or c'est pas, on pensait pas faire autant de mal à des gens, on n'a pas fait exprès. oui, c'est pas notre. On est désolé, achetez des jeux s'il vous plaît. et donc voilà, j'ai trouvé ça très très marrant. C'est une toute petite news, hein, mais j'ai trouvé ça très très marrant. Et les mecs, ils sont polonais, ils ont pas de futur et ils sont écrasés dans des Américains. Voilà, voilà. Et ça m'a fait beaucoup rire. Si vous voulez, attends, je vais vous envoyer l'image tout de suite. Vous pourrez voir le tweet et ses réponses. Ça m'a fait rire. Ils ont viré le tweet après que ça ait chié. Oh, ils ont putain. À la fin. Je trouve ça un peu naze. Je pense que s'ils avaient voulu vraiment se montrer que on n'est pas forcément des nazis quand on pisse sur une tombe. Déjà. Peut-être qu'ils auraient pu se latter un petit peu. Et si tu pisses sur la tombe d'un nazi, qu'est-ce que ça fait? Ça annule. Je pense que tu crois qu'il devient juif automatiquement. Oh merde. Mon vrai poste. Je crois que t'as Alain Finkielkraut qui t'appelle et qui te file 5000 balles. ouais, j'ai essayé une fois, c'est pas super. C'est la merde ou pas de dire des choses comme ça? Je sais pas. Non, il a commencé à me gueuler dessus. Mais taisez-vous. Tiens, d'ailleurs en parlant de Gamergate, etc., j'ai l'autre affaire, tu sais, que je t'avais parlé, Russian, à propos d'ArenaNet, les mecs, du coup, qui ont sorti Guild Wars 2, etc., ouais. L'affaire va être un peu longue, je suis désolé déjà de base, c'est en gros qu'il y avait une développeur qui s'appelait Jessica Price, qui a fait On dit une développeuse, monsieur. Bon, écoute, elle développe plus grand-chose en ce moment. en gros, elle a fait une liste de tweets sur son compte public, du coup Twitter, sur une plateforme publique. Elle a balancé des trucs, en gros des infos, comment ils construisaient ces personnages de MMO, ou enfin un truc du style. Et il y a un membre actif de Guild Wars 2, un youtubeur assez connu, je crois qu'il s'appelle De Revoir ou un truc du genre, et en gros qui lui a dit oh, c'est pas mal de quoi tu parles, je suis en désaccord, mais moi j'aurais fait comme ça, ça, tout ça. Et du coup, la meuf, elle a tout de suite pris un maximum sum et elle a commencé à sortir. Elle a eu le belge. Ah ouais. Elle a eu le belgium maximum là.
En gros, elle a balancé ouais, super, encore un homme qui vous dit comment faire votre travail, etc. C'est le mansplaining, c'est ça, elle se plaignait du mansplaining. Ouais, voilà. Et voilà, ouais. Tu sais, du coup, le mec il fait bah, je suis désolé si ça vous a, si vous a fait chier, moi je suis pas là pour ça. Bref, bonne journée et je m'excuse si je vous ai, si je vous ai fait du tort, quoi. En et plus, il souhaite une bonne journée, attends. Ouais, voilà, ouais, et la meuf, en gros, elle a rétorqué oui, encore que des hommes qui disent quoi faire dans ton travail, etc. Alors que le mec était devenu, mais la bouche en cœur, sympathique comme tout. Et du coup. Juste donner des conseils, quoi, ouais, à la base. Mais oui. C'était même pas des conseils, c'était juste un avis, quoi, personnel. Et du coup, les mecs sur Reddit, ils ont fait. Mais attends, c'est un peu une grosse connasse, quand même, celle-là. Et, fait, maintenant que j'y pense. Et du coup, qu'on dirait, ils ont dit. Franchement, ouais, elle mériterait d'être virée, etc. Bon, ça a pris un peu des grosses proportions, quoi. Et, ouais. Et en fait, t'as le CEO de Guild Wars 2, du coup, d'ArenaNet, qui est arrivé, qui a fait, vous en faites pas les boyaux. La meuf, elle est virée. Il a mis la main au coude, vous inquiétez pas les boyaux. Ouais, c'est ça, c'est, il a mis sur la main sur l'épaule, il a fait tranquille, frère, elle est virée. Et tu sais, du coup, les mecs, ils étaient contents, ils font, ah, putain, enfin, ils réagissent. C'est un vrai mec. Des développeurs comme ça, ils devraient pas balancer ça à sa communauté. Du coup, la meuf, elle a pris littéralement un bain de seum inimaginable, elle a fait. Littéralement? Oui, ouais, oui, ouais, oui. Elle a plongé dedans. Du coup, elle a sorti des trucs du style oui, non mais super, maintenant quand votre quand votre CEO reçoit des menaces sur Reddit, on vous vire immédiatement, les gens décident de qui doit être viré ou pas. Tu sais, Spider, en prenant cette voix, ce que tu fais, tu la décrédibilises, on appelle ça un homme de paille, et c'est pas très pertinent. Écoute, je fais ce que je peux. j'arrive pas à retrouver son nom, pourtant je mets Guild Wars 2, femme virée, connasse. T'es une langue de pute. Essaye Jessica Price, tu devrais la trouver. Non, mais dis pas son nom. Mais non, mais de toute façon, tout le monde l'a maintenant. Et du coup, la meuf s'est défendue, elle fait oui, non, mais mon Twitter, c'est censé être un endroit privé, tout ça. Sauf que la meuf, dans sa bio de Twitter, tu sais, t'avais bien écrit ArenaNet Storyteller. Oui, voilà, genre, c'est des conneries, ça. C'est la dernière ligne de défense du mec qui sait qu'il a merdé. C'est que, oui, je l'ai pas dit pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a déjà mis à jour son wiki avec sa date de. Le Wikipédia morte. Si tu veux, c'est la défense du. C'est pour ma consommation personnelle, quoi. C'était une narrative designer. Ouais, voilà. Et en fait, du coup. Connasse, quoi. La meuf. C'est pas un vrai mec. Elle a balancé, en fait, des mails à Kotaku et. Polygone, en fait, c'est Polygone, bien, ouais. SJW, tout ça. Il a fait, oui, mais de toute façon, on s'est fait virer sur le champ, tout ça. Le CEO, il a utilisé sa voix masculine forte, son emprise sur la compagnie pour me faire virer, etc. Sauf que la plupart des gens maintenant c'est bah t'es viré, tu fermes ta gueule, et sauf qu'elle fait oui mais de toute façon c'est comme ça dans le monde du développement de jeux vidéo, de toute façon les femmes sont abaissées, etc. La meuf elle s'est fait littéralement casser la gueule, mais même par Kotaku et Polygon. Ah non Kotaku et Polygon, ah. Par contre lui c'était suçage de bite, etc. Et si tu veux, enfin, en fait elle... bah de facto pas trop. Oui. Suçage de bite c'est une phrase genrée, ok. Ah je vois. Qui es-tu pour dire que je suis genrée, monsieur? Tu te calmes, c'est masculin. Tu dis ça a sucé des gonades, ok. Là tu restes neutre. Ça a sucé des parties intimes. Voilà. Et en gros, si tu veux, genre c'est sur le site de Polygon, justement, c'est un gros article avec toute l'interview, etc. Et la meuf, c'est littéralement ouais, on défend ce qu'elle a fait, etc. Polygon était carrément du côté de la meuf. Encore le journalisme vidéoludique à son apogée. ça c'est des opinions qui sont. Est-ce que tu serais pas un petit peu alt-right, toi? Est-ce que tu serais pas un peu suprémaciste? Est-ce que t'aurais pas des cousins nazis? Excuse-moi, hein, tu veux que je mette ma casquette, ma caméra qui a gratté? Ouais, avec ton bandana PP 45. Je sais que t'as American History X en Blu-ray. Film de chevet. Et du coup, sur... il vous le dit pas, mais avant le live, il a chanté Maréchal, nous voilà. On a pas entendu, ça a coupé. Je disais que avant le live, Spider a chanté Maréchal Nouvel. Et bref, du coup, en fait, sur l'article de Polygon, c'est à
tout un gros pavé sur ce que la femme a subi, etc., sur Jessica Price. Oh, et en ça fait, a arrêté de chialer. Il est en esclavage, monsieur. Mais c'est bien les gonzesses. Et surtout, le pire du foutage de gueule, tu sais, c'est que, tu sais, dans les articles de Polygon, ils te foutent des phrases surlignées, etc., sur le côté, tu sais, pour essayer d'attirer l'œil du lecteur, et tu sais, à chaque fois, c'est des trucs genre, oui, oh là là, le sexe fort, blablabla. Des trucs dans le genre, en fait. Ça n'a pas été clairement. Il faut répondre merci. et en gros, en dessous, ils ont foutu une interview du CEO, en fait. Mais sauf que ça, c'est un tout petit et c'est tout en bas du truc. Oh putain. Et... Je pense qu'on y accorde beaucoup d'importance et qu'on n'en a pas grand chose à dire. Ah non, mais moi, c'est surtout pour le fait, l'excuse littéralement, la meuf, bah, en fait, t'es en désaccord avec elle, bah, tu te fais renvoyer chier, etc. Elle s'est pris un retour de bâton monumental dans la gueule, bah, bien joué pour elle, quoi. GG heureux. Voilà. Mais comme disait Edouard Molinaro sur les dialogues de Michel Audiard, dès qu'il s'agit de beau sexe, Pierre qui roule. Dès qu'il s'agit de beau sexe, l'enthousiasme l'emporte toujours sur l'éducation. Oh là là. Et voilà, on va terminer la soirée. Oh, j'aurais dû la garder pour plus tard, merde, j'ai encore des news. Mais merde. Bon, après cette note de tristesse et de sexisme de Spider qui déteste les femmes, vous l'entendez, vous l'avez entendu ici en premier, mais messieurs, dames. Ah, moi, mesdames plus que messieurs d'ailleurs. Oui. Spider est sexiste et c'est un connard. Ah, mais ça. Spider a décidé pour l'occasion de changer de sexe pour se concentrer à la réalité des femmes. D'en prendre un gros maintenant. Un gros. J'ai déjà les mêmes douze. Tu sais que sur SoundCloud et sur Gmail, vu qu'on est en train de commencer un groupe avec Whisky, il faut renseigner son genre et maintenant il propose de personnaliser son genre Gmail et sur Discord, sur SoundCloud et j'ai mis gros. J'ai mis gros parce que gros sexe mort de rien. Non mais oui, mais cette news, forcément, c'est une des news qui suit un petit peu le même schéma que tout ce qui a été Gamergate, tout ce qui a été Zoé Quinn, Anita Sarkeesian, Il faudrait juste rappeler une chose essentielle, c'est que tous ces dramas n'existent pas en dehors de Twitter. Les vrais gens, si tu veux, ils s'en battent les couilles de ça. Le troisième sexe en dehors d'Internet n'existe pas. C'est un dîner de cons. C'est un détail de l'histoire. Je l'ai dit pas trop fort. Il y en a qu'un seul des deux qui a de l'importance. Attention, les opinions exprimées pendant le Forgecast ne sont pas celles de la Mégaforge. Alors, sinon, dans les news un peu plus gaisou, question DLC. Il y a un DLC qui est sorti il y a pas du tout longtemps. Je crois même qu'il a été sorti aujourd'hui pour Enter the Gungeon, oui, qui s'appelle Gungeons and Dragons. Et qui rajoute énormément d'armes, un nouveau boss, un mode turbo pour jouer plus vite. Il améliore les drop rates, donc j'ai testé un petit peu tout à l'heure, tu gagnes beaucoup plus de thunes et beaucoup plus d'armes plus souvent, donc tu profites mieux de ce qu'a à offrir le jeu. Tu peux glisser sur les tables maintenant, au lieu d'appuyer sur A, tu appuies sur la touche esquive et tu glisses au-dessus des tables. Les maps sont un peu plus grandes. Surtout, il rajoute un système de synergie entre les armes et les équipements. C'est-à-dire que si tu ramasses une pièce d'équipement, par exemple tout à l'heure j'ai ramassé une espèce de tronc d'arbre qui fait péter normalement les munitions de ton flingue. Au lieu de faire des munitions normales, ça fait des munitions explosives. Et en gros, si tu as une arme particulière, là il fallait une arme, c'était une espèce de branche qui tire des pommes de pin, bref. Si t'avais une arme particulière, ça fait une synergie, et ça crée une synergie avec un nom spécial, je sais plus comment ça s'appelait, et en gros ça tirait plus de pommes de pin qui explosaient vraiment très fort. Donc t'as certains équipements qui vont avec certaines armes, des synergies qui éclatent tout, et c'est vraiment super intéressant. Mais tu nous racontes un trip sous LSD là. Mec, si t'as pas joué Enter the Gungeon, j'ai une arme qui tire des pommes de pin. Attends mec, t'as des armes là-dedans, c'est un nid d'abeilles qui tire des abeilles, t'as une lettre qui mange des gens. T'as une lettre R que tu tiens dans ta main, et quand tu tires, c'est un pistolet qui tire des abeilles, et les abeilles elles ont des petits pistolets. Et ça fait t'as une lettre R dans ta main, et quand tu appuies, ça tire les lettres pistolet, et ça fait des dégâts à chaque lettre, en fait. Bah ça ressemble un peu de ce que je viens de dire. Ouais, t'as des canons à t-shirt. J'ai joué à Borderlands, des flingues bizarres. Parce que tous les ennemis dans Enter the Gungeon, c'est des munitions. Donc c'est à dire que en face de toi, les ennemis, c'est des balles qui tiennent des flingues et qui tirent des balles. Qu'est-ce que c'est ça? T'as jamais joué à Enter the Gungeon? Il est très cool. Il est vraiment génial, et surtout ce DLC là, Gungeons and Dragons, c'est gratos.
C'est une mise à niveau gratos du jeu. Oh, ça c'est bien. Ils sont mignons les ennemis. Ouais, ils sont adorables. D'ailleurs, si t'as envie d'une peluche, hein, il y en a sur le store de Devolver. Oui, j'ai totalement envie d'une peluche. T'as tout de suite une peluche. Moi, j'en prends une. Roussiane, chie-moi une peluche. Mais ouais, j'y ai joué un petit peu tout à l'heure et je me suis vraiment vraiment bien éclaté. Et j'ai l'impression que ça rend le jeu plus large, un peu plus facile aussi. Mais je pense que le jeu en avait un peu besoin parce qu'il était très balèze. Et on a dans les parties que tu faisais, en fait, tu voyais pas souvent tout ce que le jeu a à offrir. Donc t'avais pas souvent d'argent, tu pouvais pas acheter souvent des bonus. T'avais souvent les mêmes armes. Et ils ont refait tout le système de drop. Et du coup, maintenant, c'est bien plus agréable, je trouve, selon moi. Et moi je trouve que non. Et c'est ton avis. Merci Finkielkraut, merci Zemmour. Ils ont d'ailleurs aussi... Zemmour, il a été remercié de RMC à la rentrée prochaine. De quoi? Non, hein. C'est pour parler de Zemmour. Ouais, mais ouais, qu'est-ce qu'il a fait encore, son culé? Vas-y, parle de Zemmour. Il a été remercié, je crois, de sa radio, et il sera pas reconduit à la rentrée prochaine. Parfait, comme moi. Enfin, du coup, comme il nous manquait un streamer à la Megaforge, on a décidé de le faire une place. Ah, Zemmour qui joue à Fortnite, je veux voir ça, moi. Zemmour qui dab. Oh putain, le futur. Vas-y, Yadar, dab, Yadar. Je dab en permanence. Vas-y, dab. On t'écoute. Tu sais, c'est ce que je disais, c'est l'ennemi dans MGR qui s'appelle Mistra, il a plein de bras, t'imagines s'il dabait tout ça à la fois. C'est trop bien. Ce serait beaucoup de par zéro. Donc il y a un autre DLC aussi dont je voulais parler, de GTA Online, qui sort la semaine prochaine. D'ailleurs on est le 19 juillet, donc si jamais vous avez envie de faire le calcul, il sort la semaine prochaine. Et donc c'est un DLC qui rajoute à GTA Online des boîtes de nuit, et il est sur le thème de Gay Tony. Donc tu rencontres Gay Tony, qui était dans The Ballad of Gay Tony de GTA 4, et donc c'est lui, je pense, qui t'embrigade dans toute cette affaire d'acheter des clubs, des boîtes de nuit et tout. Donc tu vois beaucoup de la nightlife un petit peu de Liberty City. T'as Laszlo, je crois même que tu croises Louis, donc qui était dans le DLC de GTA 4. Donc c'est un DLC bien plus terre à terre de ce qu'on avait avant, beaucoup moins paramilitaire. T'as toujours des vols et des trucs comme ça, mais c'est beaucoup moins armes de ouf, satellites qui vont te tuer, 4x4 avec des lance-roquettes, etc. Donc ça, je pense que ça peut être plus marrant. C'est dommage. Est-ce que tu as des flingues qui tirent des guêpes? Non, non, je pense qu'il faudrait qu'il l'implémente un jour, parce que ça va pas le faire. Je pense qu'il y a un gros problème dans GTA Online, c'est que les DLC, ils partent en couille, mais pas dans le bon sens. Ils se font un petit peu une torsion testiculaire, si tu veux. Si les premiers DLC de GTA Online avaient été justement des trucs comme ça, avec une boîte de nuit, avec les clubs de bikers, être un PDG d'une organisation, je pense que ça aurait été agréable. Et ensuite, vers la fin de vie du jeu, tu rajoutes des trucs comme ça, des trucs paramilitaires de ouf, avec des camions que tu peux ouvrir pour foutre des voitures futuristes dedans. Là, d'accord, je pense que ça aurait été un ordre plus acceptable. J'ai l'impression que c'est la continuation logique du mode multi qui part toujours dans n'importe quoi. Mais c'est ça, mais ça a été dans la surenchère. Ça a été fait dans le désordre. Si tu veux, dans la surenchère, il y a quand même une frise à suivre. Là, ça a été dans le désordre, on a eu le paramilitaire. C'est beau ce que tu dis. Et après. Je sais, elle me le dit tout. Dans la surenchère, il y a une frise à suivre. Franchement, je vais m'en faire un tatouage. Oh, encore. Sous le pied. Attends, c'est quoi, c'est Russell qui avait dessiné, qui avait design Guernica? C'est lui, hein? C'est vrai? Parce que c'est le bordel dans ma bouche, c'est ça? Je suis que dans ma tête. Tout à l'heure, tu m'as donné une citation aussi que je dois me faire sur la Oui, c'est. Je sais plus ce que c'est. Tu n'empêcheras jamais le monde de parler dans ton dos, mais ce qui importe, c'est que quand tu te retournes, il se taise. Oh, c'est beau. C'est voilà, beau. C'est très beau. C'est de Audiard aussi, d'ailleurs, hein, dans Un idiot à Paris, je crois. Très bon film. Et sinon, Monster Hunter World sur PC le 9 août et Resident Evil 2 sur PC en janvier. Voilà. C'est en janvier le Resident Evil 2, je crois. Le 23. Et donc, deux mois avant, il y aura le board game qui va sortir. Excuse-moi, je suis un peu plus hype pour le jeu sur PC que pour le board game. Sans déconner, je pense que je vais m'incruster chez Adweeb le week-end de la sortie du jeu et faire « Tu vas faire une petite partie, là ?» Il faudrait qu'on fasse ça. Je pense que la sortie du jeu, je vais changer d'appartement. On a qu'à filmer ça. On a qu'à filmer une partie de board game Resident Evil avec les potos. C'est très compliqué de filmer. Ah merde, il faut trouver un groupe déjà. Parce que petite chatte, hé connard. J'ai un groupe, j'ai envie de te dire. Eh oui, je ne t'aime pas, monsieur. Ah, c'est réciproque. Et donc, non mais faut voir, on a le matos, et oui, ça peut se faire. Mais ouais, je sais pas si vous avez vu un peu les images de gameplay de Resident Evil 2 sur PC, mais c'est vraiment très très impressionnant ce qu'ils ont fait. Chaque munition, t'as l'impression que tu balances tout ton cœur dans la balle. Il y a des effets de fluide et de ils corps. Ils ont pas repris les mêmes, en plus, les mêmes screamers, parce que j'ai un peu peur au départ qu'ils reprenaient vraiment les mêmes mécaniques. Ça change mais tout. Mais en moi, ils ont fait exprès de au départ, quand tu rentres pour la première fois dans le commissariat, ils sortent un plan de caméra, tu vois le Lickers passer, et ça présente le Lickers quelques minutes plus tard.
tard. Ouais. Et j'avais très très peur en fait qu'il refasse le même screamer au même endroit, d'autant plus que le début du jeu est assez similaire. On rentre dans le commissariat, on va voir la machine à écrire du fond, ouais. On passe sur la porte de gauche, et du coup, c'est assez rassurant quoi. Ouais, non, mais ils ont rajouté énormément de choses. C'est vraiment pas juste un remake ou un remaster, ils ont vraiment fait un jeu Resident Evil 2. Qui envoie vraiment de la gouache, ouais, comme on dit. Moi, franchement, j'aurais préféré un Dino Crisis. Mais même, je crois que Dino Crisis. Pour les énigmes, je crois que ça a été montré dans les 20 premières minutes de gameplay, où l'une des premières énigmes, ça doit être ouvrir ton casier, en fait. Et sauf que chaque premier numéro du casier, en fait, correspond à un agent, en fait, qui est dans la brigade, en fait, et t'es obligé d'aller voir sur leur bureau, etc. Sauf que c'est pas indiqué, genre, ça te dit pas appuie sur X pour voir quel numéro c'est, il faut vraiment viser, regarder quel numéro c'est, et ensuite rentrer le code, et je crois qu'ils ont dit que... C'est ce qu'a voulu faire Resident Evil, en fait, depuis le début, hein, Dino Crisis, c'est que t'avais des items, tu pouvais les manipuler en 3D afin de voir des détails dessus, sauf que c'était très mal exploité, et faut quand même se souvenir que toutes les énigmes des premiers Resident Evil, c'est extrêmement pauvre, quoi. C'est que t'as une clé, faut que tu trouves où la foutre, quoi. Ouais. Mais ça allait pas beaucoup plus loin que ça. Il y avait je me souviens juste de quelques bonnes idées, genre par exemple, associer un briquet avec un tableau pour le cramer et tout, mais globalement, c'était vraiment. On a l'impression de jouer à un point and click, Qu'on prend un truc, on essaie de le foutre n'importe où et on est sorti que ça rentre, quoi. C'est vraiment cool d'avoir vraiment des énigmes, quoi. Si vous avez vu vraiment les 20 premières minutes de gameplay, je trouvais ça vraiment très impressionnant. Au niveau, déjà, level design, c'est superbe. Ouais. J'espère que ça va être plus que juste le commissariat qui est travaillé parce que le commissariat a l'air vraiment plein, ça a l'air vraiment d'être la merde dedans, t'as l'impression que ça a chié pendant des jours et des jours et des jours, il y a du bordel partout, il y a des morts partout, c'est vraiment intense. C'est bizarre parce que Léon est censé venir depuis quelques heures, il y a l'infection. Surtout, je crois que l'apocalypse ça s'est passé il y a quelques jours, non, c'est pas ça le délire? Non, je sais plus. On avait vérifié. C'est pas une semaine. C'était très tôt. Moins, je crois que c'est moins. Ouais, à vérifier, je sais pas. Enfin, là, on dirait que ça fait des mois que les mecs sont barricadés. En tout cas, il y a une dissonance parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une guerre civile et que voilà. Ouais. Mais c'est surtout moi au niveau du shooting, des shooting mécaniques, que ça m'a vraiment vraiment impressionné. Tu vois les zombies qui s'abîment au fur et à mesure que tu leur tires dessus et qui tombent si jamais ils sont trop abîmés. C'est drôle parce que ça c'était des mécaniques qui existaient dans le regretté Resident Evil 1.5, qui le fait dans de regretter quoi avec répète, ça a encore coupé. Dans le regretté Resident Evil 1.5 qui n'est jamais sorti et qui avait déjà ce genre de mécanique de démembrer des zombies, de les couper avec des trucs métalliques. Enfin, ouais. C'est bizarre de voir une sorte de retour aux sources. Et peut-être qu'il y aurait des points de comparaison à faire entre les deux quand ils sortiront. Justement, dans la démo là, quand tu les voyais, c'est surtout les tirs à la tête, moi qui m'ont marqué. Ouais. C'est quand tu tires dans le crâne, tu vois littéralement le cerveau en fait qui peut commencer à littéralement à fuiter en fait. Et quand tu tires sur la mâchoire va se décrocher, etc. Tu tires dans les côtes, tu vas voir vraiment le truc qui s'abîme. Je trouve ça vraiment. Ça va prendre un bon PC, ça. Ouais. Il va falloir du lourd. Je me souviens plus des requirements, mais je crois qu'ils sont pas mal, ouais. Mais je crois qu'ils ont dit comme quoi si tu pouvais faire tourner Resident Evil 7 en médium, tu pourrais quand même faire tourner Resident Evil 2. Les comparaisons un peu folles. Le mec il aime plus. Oh, si t'as fait tourner le jeu il y a 6 mois. Ils ont donné les vrais requirements, mais. Je trouve ça bizarre de l'amener comme ça, quoi. Il est quand même super beau aussi, Resident Evil 7 d'ailleurs. Je tenais à le souligner, là, je l'ai lancé sur PC et putain, ça renvoie un bordel. Mais j'ose pas y jouer à ce jeu, mais il fait trop peur. Sur Resident Evil 7, mec, il y a un mode, parce qu'on peut foutre des modes et ça, j'étais pas au courant avant une semaine. Et il y a des modes. En fait, je tenais juste à faire une petite parenthèse. C'est vrai que les gens ont oublié qu'on pouvait mettre des modes à des jeux PC sans passer par le workshop et sans passer par autre chose. Avant, ça se faisait énormément de modifier des init, de balancer des exé russes dans tes fichiers. Mais c'est vrai que maintenant on a un peu oublié ça. Ouais, on a un peu oublié ça qu'on peut faire ça. Ouais. En fait, maintenant les gens pour les mods c'est soit Nexus, soit le Workshop, soit rien. C'est ça. Et du coup, là en fait, il y a eu un mode qui a été fait pour Resident Evil 7 qui a amélioré la luminosité du truc. Et surtout les effets de lumière. Et tu vois ce que c'est, ce sont les molded là, enfin, bon. Normalement on les voit beaucoup, quoi, quand tu les vois arriver, tu les entends, etc. Mais surtout en fait tu les vois énormément. Et en fait le mode là, en ajustant la luminosité comme il faut sur certains passages ça va te paraître beaucoup plus clair. Mais par contre dans les pièces sombres tu vas littéralement rien voir et ça va être juste sur le point de vue de la lampe de poche en fait que tu vas voir vraiment des trucs. L'horreur, quoi. Ouais, là, tu chies dessus, par contre. Qu'est-ce qu'ils attendent pour ressortir un bon Alone in the Dark comme ça? Je sais pas.
Peut-être que Football meurt pour pas en faire un film. C'était quoi, c'était le dernier, c'était celui où t'avais une espèce d'aspect de gameplay avec tes bras, là, tu pouvais bouger les chaises et tout là. De quoi? What? Ah oui, si, tu devais ouvrir ta veste là. Sur Xbox, ton inventaire c'est ta veste, ton perso il pouvait cligner les yeux en appuyant sur un bouton, et en gros quand tu tenais quelque chose et que tu bougeais le stick, tu bougeais tes bras en même temps, t'avais l'air d'un gogol, et tu pouvais justement bouger des chaises. Comment c'est vieux ce jeu? Les fois, il est très vieux. Xbox 360 hein. 2008, il a 10 ans. Ouais, 2008. T'imagines, il est sorti. Attends, parce que Resident Evil 4 c'est 2006, je crois, non? Non. Attends, je crois, mec. Hein. Alors, attention. Resident Evil 4, début du projet, 1999. Non, mais la fin, surtout la fin. Alors, t'as dit combien? 2006. Moi, j'ai dit 2004. 2005. 2005, il est sorti en 2005. Je vous baise. Et par contre, je crois que c'est God Hand qui est sorti en 2008. Et t'imagines, God Hand et le dernier Alone in the Dark sont sortis la même année. Si tu vas voir un petit peu des images de gameplay des deux jeux et que tu les superposes un petit peu, je pense que ça te fera une très très belle surprise. Attends, t'as dit que Alone in the Dark était sorti en 2008? Ouais. Oui, le dernier. Attends deux secondes, je check un truc. Oula, il est en train de hacker la mainframe. Il fait des recherches de ouf là, 300 Il y a mon écran qui grésille là. Attention, vite, débranche-le. Faut qu'on soit à deux sur le même clavier pour pouvoir. Hackerman. Putain, attends, je trouve pas le truc. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'on peut t'aider? 7 novembre 2008, il y avait Gears of War 2. Oh la vache, ah ouais. Et B. Du coup niveau graphisme, quand tu vois les textures ultra baveuses de Alone in the Dark et quand tu vois la netteté, bon même si c'était très gris, de God Hand, de Gears of War 2, franchement je suis content. Et le 29 octobre 1999. Jurassic Park. Ouais, c'est plus ou moins pareil. Ouais. Et puis sinon, moi, il me restait juste un dernier truc. C'était le 9 août. Là, il y a Monster Hunter qui sort sur PC. Et c'est cool. Et c'est très sympa. Déception un peu, je trouve. Mais après, ça, c'est mon avis perso. Ce qu'ils le vendent à 70 balles, quoi. C'est déjà qu'ils le vendent à 70 balles. Il est pas 70 balles sur PC, les gars. 50. Pas loin, hein. Oui. Il est à 50 sur Steam. Il est à 50 pour la version standard, 9 sur Steam. Gros prix, mais sur Instant Gaming, il est à 35, je crois, 39. On parle des vrais supports de distribution, monsieur. En fait, ce qui m'a fait chier, surtout. C'est un vrai, ok. J'ai payé 70 sur PS4. Certes, on a passé beaucoup de bons moments, mais j'ai l'impression que c'est une séparation. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Les gens sont morts de ce côté, quoi. Alors tu vois, Russian, on a passé beaucoup de moments, mais je pense qu'il faut que dans ma vie que j'avance. Et je pense que tu as un poids. Quoi le nom de cette pute? C'est surtout qu'en fait, du coup, j'ai acheté, on l'a bien, bien ficelé, et encore, on n'a pas tout fini. Mais le truc, c'est que la version PC elle sort, mais il n'y a pas de nouveauté. Et en fait, je crois que je m'étais beaucoup trop hypé sur le fait que, tu sais, ça allait sortir. Le G-Rank. Que ça allait sortir avec le G-Rank, du coup, qui ajoute normalement tous les monstres ultra, quoi. Et au final, depuis 6 mois, ils ont ajouté 2 bestioles. On a un nom, monsieur. ils ont rajouté le. Coulé Tarot, ou je sais pas quoi, celui qui est en or, là. C'est uniquement Et ça, c'est temporaire. Oui, déjà. Et puis tu peux pas le faire quand tu veux, il faut faire des sessions et tu peux pas le buter, enfin c'est un peu bizarre. Il y a le cornichon là. Oui, ils ont rajouté Pickle Boy. Ils ont rajouté des versions tempérées aussi, Arc Temper de certaines bestioles. Il y a le Behemoth de Final Fantasy XV qui va arriver. Ouais, mais c'est tout. Ouais, c'est tout. Et je sais pas pourquoi en fait, je m'attendais vraiment à ce que quand on m'a vendu en fait littéralement Monster Hunter, je me suis dit oh, vas-y, ça va être le meilleur jeu du monde, en plus tous les mois il va y avoir des nouveaux trucs à chasser et tout. Et au final, le jeu, je l'ai pas relancé Et pourtant tu y as passé 60 heures quoi. J'ai pas de raison pour le relancer surtout quoi. J'y ai passé plus de 140 heures et en fait le problème c'est que entre guillemets, j'avais l'impression d'avoir tout fini et maintenant j'arrive dans la phase entre guillemets finale du jeu qui est une phase importante game, avec vas-y continue en boucle et en fait tu vois il serait ressorti sur PC avec le G-Rank avec vraiment genre allez on te rajoute une dizaine voire douzaine de bestioles mais là ouais
Mais... Tu sais, le truc, c'est que Monster Hunter, de toute façon, même avant le G-Rank, il aurait fallu que tu farmes comme un gros bâtard encore, encore, encore et encore. Là, il y a des aspects de gameplay au niveau du craft qu'on n'a pas encore exploré. Monster Hunter, ça a toujours été ça, l'histoire. Ça a toujours été le de recommencer en boucle, de faire des cycles, de se créer une routine pour soi, pour pouvoir crafter ce dont tu as besoin de crafter pour pouvoir buter les bestioles du G-Rank. Ça se passe vraiment pas tout de suite. Je pense que t'es parti avec l'idée que c'était plus un jeu d'action qu'un jeu à farm comme Monster Hunter. C'est normal d'être déçu. J'étais au courant que c'était un jeu à farm, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Je pense très honnêtement qu'ils vont sortir des bestioles après la sortie du jeu sur PC. Il y avait des leaks qui avaient été, je crois, pas mal exacts à propos des sorties de monstres. Maintenant, il faut se dire que à Capcom, c'est pas non plus des flèches, les poteaux, qui vont se reposer sur des squelettes qui existent déjà, donc le squelette du modèle de Dungeonet qui a servi aussi pour Pickle Boy par exemple, ou des squelettes du Rathalos où c'est très facile de faire des dragons, donc qui vont sortir énormément ils de dragons. Ils peuvent demander à Survarium, ils ont des bonnes tactiques. Si vous voulez, ils sont pas mauvais non plus. Hein. On en a un qui vient de Survarium et de Fear the Wall. Si vous voulez, on peut vous reprendre ce bâtiment. On peut vous prêter un hangar si vous voulez. Non mais voilà, je pense qu'il faut pas trop avoir peur. Je pense qu'il faut l'acheter, achetez-le, sinon on sera pas payé. C'est surtout, je pense que je vais attendre déjà de voir comment. S'il y a des annonces de nouvelles ajouts, etc. Pourquoi pas leur prendre, mais en attendant. Ouais. Après, est-ce que le jeu, la version PC s'adresse vraiment à des personnes qui viennent de passer 140 heures sur la version Xbox, quoi? Je pense pas, en fait, justement, c'est, à part le 60 FPS, il n'y a pas de nouveaux ajouts. Encore 60 FPS, t'es mignon. Faut avoir la carte derrière, quoi, mais, écoute, moi j'aime beaucoup, je serais pas impartial de toute façon sur ce truc-là. Non, je suis pas un fanboy parce que je les ai pas tous faits, mais j'aime beaucoup le jeu. Je peux admettre que j'aime beaucoup le jeu. Il se rappelle de l'époque où il jouait sur PSP entre deux cours et même pendant les cours. Surtout pendant les cours. Ouais. Passe-moi une herbe verte. Je suis désolé, Madame Frostin. Madame Frostin. Que j'ai... Madame Frostin, ma prof de philo. C'est un nom de paquet de chips, ça. C'est ouais. Pas... Madame Lays. Je tiens à remercier aussi mon pote Pontus suédois qui m'a offert Monster Hunter sur PC. Je lui fais de très très gros bisous. Il ne pourra jamais comprendre ce que je lui dis. Enculé. Mais je lui fais des bisous quand même. Merci Pompon. Mais après ouais, entre potes, tu m'étonnes. Genre par exemple, je sais que Scad, lui, il attend ça. Yadar l'attend aussi. J'attends d'avoir de l'argent. Ouais voilà. Mais le truc, c'est surtout que j'ai l'impression d'avoir vu ce que le jeu tenait à proposer. Et pour moi, à moins de le relancer sur PS4, je sais pas si ça me tenterait de le relancer sur PS4. Après, c'est vrai que je pense pas que t'auras de surprise. C'est pour ça que il y a une mentalité très différente des gens qui jouent beaucoup à Monster Hunter, des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo. Par exemple, nous, les spoils qu'on essayait d'éviter, quand tu joues à Monster Hunter, tu t'en bats les couilles. Oui. Tu vois. Moi, j'étais comme toi. Hein. Moi, j'ai fait tout pour pas me spoiler des créatures, pour pas me spoiler des gueules qu'ils ont, le Xenogiva, etc. J'ai essayé de pas regarder. Mais quand tu joues à Monster Hunter, quand t'es un très connaisseur de Monster Hunter, tu t'en bats les couilles de ça. Tout ce que t'as envie, c'est de foutre tes mains sur la manette pour le farmer encore, encore et encore jusqu'à avoir des gemmes, etc. Vraiment. C'est toi, tu dis, on dit, tu vas affronter la Diablos noire, tu fais non, trop stylé. Tu sais, t'arrives devant, tu fais ah ouais, c'est vrai qu'il y a de la gueule. Par contre, les mecs derrière qu'on farmait à peu près tous les opus sortis sur DS, 3DS, Wii U, les mecs ils se font. Eux, quand ils voient le monstre, ils disent bon, 32 000 PV, il y a un youtubeur qui s'appelle Kanta Permé, qui est un youtubeur de Monster Hunter qui est très très balèze. Bon, il parle jamais dans ses vidéos, c'est uniquement des vidéos de gameplay. C'est super impressionnant ce qu'il fait. Et quand je suis allé un peu voir ses vidéos des opus sur 3DS, genre les Monster Hunter JXX génération, mon cul là, avec les noms à rallonge de 3 km, où t'as des mobs, c'est des trucs de malade à côté, les mobs de World, mais c'est de la pisse. T'as une espèce de dragon, tu sais, on dirait un dragon d'estampe japonaise, qui se balade dans l'air, qui balance des bulles, il est tout coloré, t'as l'impression que de voir un monstre d'animé, t'as un dragon qui est tout en métal et qui a des putains de réacteurs sur les ailes, qui fait des bruits de F-16, c'est un truc de ouf. Et ça, c'est des bestioles qu'on verra sans doute pas dans World. Je crois justement, tu sais, dans le, il y a une map, tu sais, c'est la fosse putride ou un truc du genre. Le Val putride. Ouais, le Val putride, tu sais, avec le, il y a un grand squelette de dragon tout dans la map en fait.
Et justement, il paraît que ça, c'est une bestiole qu'on affronte dans un des anciens Monster Hunter. Ouais, c'est un gros dragon que t'éclates dans d'autres Monster Hunter, ouais. Et du coup, ça, tu vois, ça m'aurait peut-être fait kiffer de le voir. Maintenant, je kiffe quand même les mobs de Monster Hunter, y a pas de souci. Ouais. Mais je me suis dit, peut-être un peu plus de sensationnel, ça aurait pas été trop dégueu. Le gros dragon que tu vois effondré dans le Val Putride, le gameplay quand tu le niques sur la version 3DS, et Switch, j'en sais rien, c'est très, comment on appelle ça, similaire au gros dragon qu'on défonce, celui qui a un volcan sur la gueule, là, qui est littéralement. Le Zora Magdaros, ouais. Le Zora Magdaros. C'est plus ou moins le même truc où tu te balades, t'as des scripts, etc. Tu te lades pas juste contre le dragon comme ça. Les plus gros, oui, voilà, ça aurait été stylé, mais les plus gros dragons que tu lades, c'est genre, il est accroché à une falaise et tu défonces les pattes, puis tu défonces la tête, les trucs comme ça, tu vois. C'est pas des grosses bastons comme on a. World, déjà, permet du gameplay vraiment, vraiment empirique de ce côté-là au niveau des bestioles. Donc, je pense pas qu'on aura des trucs aussi ouf que ça. Très joli mot. Merci. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'utiliser à temps parce qu'on est à moins de 2 heures. De toute façon, on est parti pour 4-5 heures là. Ah bah c'est parti. Ah, il nous reste encore 3 pages de news, on a fait une moitié là. Alors. Non mais je pense qu'on a fini. Oui, je pense qu'on a bien fait un gros tour. J'ai pas d'autres nouvelles. Il a un nom, Spider. J'ai pu. Waouh, waouh. Ah ouais, on va là-dessus, quoi. Ah ouais, on va là-dessus, quoi. Allez, on se dirige vers un niveau extrêmement élevé. Allez acheter des t-shirts à Megaforge. Ouais, non, il y a un truc où je voulais parler. Je pensais, j'avais une petite idée, peut-être faire des patchs de la Megaforge avec des stickers de la Megaforge. Acheter les trucs en gros chez moi, faire des enveloppes et vous les envoyer si vous les achetez. Parce que sur Spreadshirt, il y a ni possibilité de faire des patchs, ni possibilité de faire des stickers. J'ai pas envie de multiplier les magasins. Donc ça se trouve, je ferai des stocks que j'enverrai aux gens qui ont envie d'avoir un petit pack la Megaforge avec un patch et un sticker à foutre partout. Un patch à coudre sur des vêtements, sur des vestes en jean par exemple. Donc on verra ça, je vais me renseigner et on vous tiendra informé sur le Discord qu'il faut que vous rejoigniez, sur le Twitter qu'il faut que vous rejoigniez, sur le Facebook qu'il faut que vous rejoigniez. Le Discord, sur le boxeur, c'est possible ou pas? Quatrième Reich, je sais pas. Juste un dernier truc qui m'avait surpris, mais je trouvais ça plutôt mignon en fait. C'est donc j'ai fait la outro et toi tu repars sur une news, quoi. Ok, ouais, c'est quoi il a rien piqué au tableau. C'est quoi au pire, je laisse pour le prochain Forgecast. Waouh, ok, bah dans un mois alors. L'univers, du coup, on m'a pas répondu pour le boxeur. Non mais le boxeur, il faut que je vois, t'inquiète pas, je vais te trouver un truc qui moule un peu. Franchement mec, les chaussettes la Megaforge. Les chaussettes de Noël. Les chaussettes de l'archiduce. Et tu sais que je vais me renseigner pour qu'on ait les gros pulls en laine moches pour le Noël prochain. Ils sont pas moches.ダメだね、ダメよ。
We'll be right back.